Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel, je viens selon l'usage antique. Et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où sur le mont Sina la loi nous fut donnée. Que les temps sont changés. Sitôt que de ce jour la trompette sacrée annonçait le retour du temple, orné partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule inondait les portiques. Et tous, devant l'autel avec ordre introduit, de leur chant dans leurs mains portant une bouffe. Dieu l'hiver consacrait ses prémices. Les prêtres ne pouvaient suffire au sacrifice. L'audace d'une femme, arrêtant ce concours, en des jours ténébreux a changé ces beaux jours. Allez, installez-vous peinard, ce soir c'est Adorno. Alors, est-ce que le son est bon? Ça a l'air de fonctionner. Alors, faudra bien me dire si vous entendez les sons du. Du ventilo et si c'est gênant. Il fait une chaleur de dingue ce soir. Je ne peux pas faire autrement. Donc. Salut Suze, tu es à l'heure. Bah oui, super. Si vous me direz quand la musique aura cessé, enfin la musique d'intro, si on entend trop le. Le ventilo, auquel cas je le mettrai juste de temps en temps. Bon, vraiment, je rêverai de chaud. Ça va être compliqué ce soir, vraiment. J'ai pas commencé, je suis déjà épuisé, c'est super. Ça promet. Comment ça va, Suze? Salut Tony! Tu as perdu et retrouvé ton chien? La vache, quelle aventure! Oh là là! Quelle histoire! Et un instant, je pourrais pas allumer mon cigare, il y a trop de vent. Ah, tout est bien qui finit bien, Suze. Ça va, on peut se moquer. Il n'y a pas eu de drame. Salut Eric. Alors, allez, je vais déplacer la tente. Ce sera plus agréable pour vous. Hop, voilà. Bonsoir les gens. Allez, on va démarrer dans quelques petites minutes. Gabriel va pas être avec moi ce soir. J'ai confirmation par Aurélie qui ne pourra pas être là. Et c'est bien dommage puisque du coup il n'y aura pas de digression sauvage pour commencer. On va rentrer dans le vif du sujet assez vite. Ah, ah, ah.
Tu commences sur les chapeaux de Suze, toi, dis donc. Bon, là, je viens de refoutre le ventilo. Hein, vous me direz si c'est vraiment gênant. Je l'ai mis plus loin que la dernière fois, donc normalement, le son doit pas être trop casse-coute. Alors, fonctionner à peu près, j'ai bien à peu près. Alors, je sais pas trop, enfin, je sais pas exactement où on en était dans la théorie esthétique, donc j'ai pris une décision qui est à moitié arbitraire, mais je suis parti du principe qu'on n'avait pas du tout abordé les moments où Adorno part, enfin, passe à côté, tourne autour. Des propositions kantiennes et freudiennes, c'est-à-dire des relations au désir et à la jouissance. Donc je pars du principe que ça, on l'a pas vu, qu'on n'en a pas causé, je crois. Et dans ce cas-là, je vais démarrer le texte à partir de là. Salut, docteur Wack. Suze se prend pour une géante. C'est rare comme délai. Ah oui, c'est pas fréquent. Nous savions déjà que Suze ne faisait rien comme tout le monde. Alors tu passes immédiatement à l'orque, Tony. Tu vas dessiner, mais c'est super. Plutôt une bonne nouvelle. Tu m'envoies ravi. Que tu as des preuves que Dr. Wack n'est pas vraiment docteur. Tu as avoué? Ah bon, dans ce cas-là. Allez, encore quelques petites minutes. Ah, bon, bien naze, moi. Ça va être joli encore ce soir, je sens que ça va donner. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a certains et certaines d'entre vous qui pourraient être des spécialistes d'Adorno. Ça serait pas mal. On pourrait imaginer des contrepoints éclairants, notamment dans ses relations à l'idéalisme de Hegel. Sans commentaire, Suze. On va pas rentrer là-dedans. Des histoires d'oreiller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Hop. Donc j'ai laissé le petit arrière-plan à droite de l'écran, présentant des œuvres d'art des années 60, donc, essentiellement, hein, c'est-à-dire le moment de création contemporain de celui où Adorno écrit sa théorie esthétique, ce qui donne un petit peu le contexte, et ce qui par ailleurs éclaire la parallaxe dans laquelle se trouve Adorno comme observateur de son siècle. On comprend qu'il a certains plans de décalage, ce qui n'est pas très étonnant, notamment à cause de son regard assez désapprobateur sur pas mal d'expérimentations qui lui sont contemporaines, et puis tout simplement parce que ça commence à être un vieux monsieur à ce moment-là.
Allez, qu'est-ce que vous me racontez de beau avant qu'on démarre? Encore une petite minute d'attente. Peut-être changer le lieu. Est-ce que j'y vois mieux? Ouais. De loin, c'est pas ouf. Putain, c'est chiant ça. Y a aucune paire correcte. C'est la merde. C'est la merde, bon bah tant pis. Celles-ci sont nulles de près, elles me permettent de regarder un peu ce qui se passe à l'écran. Et les autres ne sont bonnes que pour la lecture. Mon Dieu, c'est chiant. Plus que quelques secondes et on va démarrer. Déjà, est-ce que quelqu'un se souvient vaguement où on en était? Qui a... Ça commence à dater. Hein. Je crois que les précédents lives sur Adorno, ça devait être avec Andalice. Il y en a eu deux avec elle. Et je sais plus du tout. J'ai pas pris le temps de les réécouter. Est-ce que quelqu'un a réécouté les précédents lives? Est-ce que quelqu'un sait exactement où on en était? Ou pas du tout? Si pas du tout, on va s'en tenir à mon arbitraire. Qui est pas tout à fait arbitraire. J'ai coupé à un endroit dans lequel ça faisait du sens. C'était pas absurde de le faire. Ce qui nous ferait démarrer à la page 28. Ce qui fait qu'il nous reste plus que 410 pages. Super. Voilà, en gros, c'est ça. On n'avance pas vite, hein, je trouve. Mais il n'y a pas vraiment le choix, en fait. Je sais que sur Kant, il va continuer un moment par la suite. Donc peut-être que le gros risque de cette méthode qui consiste à digresser sans cesse, à tourner autour du texte, à essayer d'éclairer quoi que dise Adorno, bah, ça nous empêche d'avancer très loin avec la quasi-certitude que, en fait, il va probablement éclaircir et reparler de ce dont nous parlons à ce moment-là, un peu plus tard, et que le travail aura peut-être été fait pour rien. C'est possible. Mais on peut partir du principe plus raisonnable que je peux succomber à un arrêt cardiaque juste après ce live. Et dans ce cas-là, on sera vachement content d'avoir pris le temps d'expliquer tous les passages sur lesquels je me suis arrêté. Au moins, on aura fini quelque chose. Allez, on va donc partir à cette page 28. Et merci, Sus. Et on va partir de la question du désir. C'est une question complètement écartée, par contre, puisque je sais pas si vous avez salut Claire, si vous avez salut Zadiop, hein, si vous avez assisté au live consacré à la critique du jugement de Kant hein, avec Gabriel. Mais on a déblayé un petit peu tout ça. Avec d'une des caractéristiques de base de l'esthétique kantienne. Et parmi elles, il y a le fait que le beau, selon Kant, ce qui plaît universellement et sans concept, d'une part, et qu'il est opposé de façon très claire et très ferme à la politique du désir par Kant. Kant attend des relations esthétiques, que ce soit avant toute autre chose. Salut Chauvelache. Salut Azagal. Tu avais vu les précédents épisodes sur Adorno, t'as trouvé ça passionnant? Eh ben, merci. Enchanté, Azagal. Donc, oui, parmi les caractéristiques des propositions kantiennes, il y a la mise à l'écart du désir de la part de Kant. Le plaisir esthétique est un plaisir désintéressé. Donc, il faut imaginer qu'à chaque fois que repointe dans la stratégie des objets, leur mode d'apparition, leur mode d'accaparement par le regard et le jugement, se repointe la question du désir. Alors, en quoi il est séparé, il faut déjà le comprendre, il est séparé des questions matérielles. C'est-à-dire la matérialité dans laquelle l'objet d'art se présente, ou l'objet se présente, est exclu, pour Kant, de la notion de beau, du plaisir esthétique, parce que c'est uniquement une opération
qui touche à une expérience de l'esprit qui va retrouver dans une œuvre une conjonction de règles naturelles. Une conjonction de règles qui peuvent être universellement partagées. La question de l'universel est centrale pour Kant et autant vous dire qu'elle pose pas mal de problèmes. On peut dire par exemple que cette question de l'universel, une fois qu'elle est posée, c'est elle qui va exclure la possibilité de joindre, enfin de placer de l'intérêt dans une œuvre ou dans quelque objet beau que ce soit. Vous verrez que chez Kant, tout est plus ou moins subordonné à la beauté de la nature, supposée supérieure à toute autre forme de beauté. Ce postulat lui-même pose toutes sortes de problèmes. Et donc, évidemment, si l'idée, c'est de montrer que le jugement esthétique est universel, alors il ne peut plus être compatible avec l'idée qu'il y ait un lien avec un intérêt personnel dans cet objet, c'est-à-dire un intérêt visant une capture ou la possession de le matériel de l'objet lui-même, c'est-à-dire répondant finalement à un désir propre du spectateur. Car avant tout, l'esthétique de Kant est une esthétique du spectateur. Même s'il évoque la question du génie, donc du côté du producteur ou la productrice, même s'il parle de ça, il en parle comme une espèce de disposition innée des humains, enfin plutôt innée de l'esprit, ce génie, par le truchement de laquelle, par le truchement de cette disposition, la nature pourrait donner à l'art ses règles. Donc d'une certaine façon, l'artiste révèle les règles inhérentes à la nature. Donc, malgré cet attachement à la figure du génie, Kant construit surtout une esthétique du spectateur. Et comme il la veut universelle, eh ben, il exclut la possibilité qu'un jugement soit, un jugement esthétique soit contaminé par des intérêts. Parce que s'il l'était, il ne pourrait pas prétendre à l'approbation de tous ceux dont les intérêts sont différents. Salut Louisa! Tout le monde sait pourtant que l'éthique, c'est Spinoza. Ah ben ça commence. Donc voilà que Kant se met dans une situation où il ne peut pas faire autrement que d'imaginer un désintéressement parce qu'il a postulé l'universel. On pourrait dire que d'une façon générale, la compatibilité en fait des postulats, c'est vrai pour beaucoup de théories esthétiques, c'est également vrai pour celle d'Hegel, la compatibilité des postulats proposés par un tel ou tel philosophe à la réalité oblige beaucoup d'arrangements et généralement des raisonnements tout à fait circulaires. Par exemple, on en parlera, mais en dehors de l'intéressement, il y a quelque chose à quoi. Salut Mandrake, Kant désire détacher le jugement esthétique, en plus de la question de l'intérêt matériel pour la chose, c'est de la connaissance. Pour lui, le jugement esthétique n'est pas un jugement de la connaissance. Il en est complètement coupé. C'est une autre expérimentation du monde qui est proposée. C'est en cela qu'il lui est nécessaire de créer cette fameuse critique du jugement, il a écrit trois critiques, hein, qui se distingue des autres parce que justement, il a postulé ailleurs l'existence de formes, on va dire, pures de la pensée. Et la connaissance du beau universel, puisqu'il veut qu'il le soit, c'est une espèce d'attente de communion autour d'une expérience commune, totale, universelle, qui ne peut pas être établie sur la connaissance, sinon on arriverait à des plans de coupe avec ses autres propositions théoriques et ça ne fonctionnerait plus. Il lui faut la distinguer. En gros, Kant s'accule tout le temps, finalement, à faire des choix qu'il enferre dans ses cadres théoriques à chaque fois. Alors, par exemple, il y a un moment de l'esthétique de Kant. C'est bizarre de commencer par là, mais comme Adorno va parler de Kant et de Freud, j'aime autant qu'on aille un peu vers là. Kant postule la supériorité de la beauté naturelle sur toute autre forme de beauté. On pourrait dire que les beautés artistiques ne font que rendre compte de règles qui seraient, comment rendre compte par la forme.
de règles universelles qui sont présentes dans la nature. Donc, il subordonne complètement la question de la beauté à celle de la beauté naturelle. Et il place la beauté naturelle au-dessus de toutes les autres en tant qu'elle ne nécessite aucune connaissance pour être éprouvée par le jugement esthétique. Mais c'est encore un raisonnement circulaire, parce que pour pouvoir placer cette supériorité par cet argument-là, il aura fallu commencer par poser le fait que le jugement esthétique se dispensait de la connaissance et lui était extérieur. Donc là encore, c'est un raisonnement circulaire. La supériorité de la beauté naturelle ne s'établit comme évidence qu'à la condition d'avoir placé également comme évidence la connaissabilité, les modalités de la connaissance comme extérieures au jugement esthétique. D'une manière générale, on en est presque toujours dans cet état-là. Donc on peut imaginer, puisque vous connaissez un peu Adorno, je vous ai parlé de lui. Donc Adorno, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un des philosophes de l'école de Francfort. Alors l'école de Francfort, elle naît à Francfort, dans l'après-guerre, des retrouvailles finalement de gens qui s'étaient connus en Allemagne avant la guerre 39-45, pour la plupart, hein, qui avaient créé une école, c'était l'Institut de recherche sociale, ils faisaient de la philosophie sociale. L'objet de leur théorie critique, c'est l'analyse sociale. C'est l'idéologie, mais c'est l'idéologie surtout, enfin en tout cas chez Adorno particulièrement, mais chez beaucoup de ses proches, hein, Horkheimer et les autres, par le prisme de la culture. La culture comme instrument d'optique parfait pour pouvoir observer la diffusion et la cristallisation de l'idéologie dans la société. Adorno écrit sa théorie esthétique assez tardivement dans sa vie. Si je vous ai mis des œuvres des années 60, 50-60, là, qui défilent à côté de moi, c'est essentiellement parce que c'est la période où Adorno écrit ça. Il mourra avant d'avoir fini sa théorie esthétique. On a des sommes de notes dans tous les sens qui ne constituent pas, à proprement parler, un livre achevé, mais c'est suffisamment écrit, suffisamment rédigé pour qu'on puisse faire. Enfin, en faire la lecture sans avoir l'impression de trahir Adorno, d'autant qu'il revient sur plein de trucs sur lesquels il était déjà venu. Oui, pleure de joie. Ça te plaît, Rafa, ce layout plein de couleurs? Hein, c'est joli, non? J'en ai fait peut-être un petit peu trop, hein. J'avoue que j'ai un peu abusé. Donc vous pouvez imaginer que les propositions de Kant, elles ont un autre problème, évidemment. C'est que si ce jugement esthétique essentiellement universel et désintéressé se situe quelque part, c'est évidemment dans un vide politique. Il est hors politique parce que la politique, c'est la sphère des conflits d'intérêts. Or, vous l'avez compris, la question de l'intérêt est exclue de la problématique du jugement esthétique kantien, donc il ne saurait y avoir de contamination par la question politique du jugement esthétique. Autant vous dire qu'il y a peu de chances qu'Adorno trouve beaucoup d'affinités avec la théorie kantienne. Mais il ne va pas plus en trouver avec la théorie idéaliste hegélienne, qui pose toute autre sorte de problèmes, et notamment qui, elle, va se fonder sur la question. Enfin, le désir n'est pas du tout exclu chez Hegel, mais il est complètement spiritualisé. Or, Adorno est un marxiste. Cette spiritualisation ne peut pas du tout satisfaire son rapport marxiste à la lecture de la cristallisation historique. Et il te manque du bout, mais t'inquiète pas, si tu as des questions, t'hésites pas à poser. Il n'y a aucun problème, je peux déplier, on peut argumenter, on peut aller un peu plus dans les détails sur certains trucs. Donc évidemment, pour vous donner un exemple important de relation aux thèses marxistes, une bonne partie du texte qu'on va lire ensemble va référer régulièrement à. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'école de Francfort, c'est une école de muscu pour mec qui s'appelle Franck. C'est une honte, c'est lamentable. Elle va référer beaucoup aux thèses sur Feuerbach, qui est un texte qui pourrait sembler mineur, mais qui ne l'est pas pour les gens de l'école de Francfort.
Si vous les connaissez pas tous, je vous invite quand même à aller voir ces gens. Il y a ceux qui sont vraiment dedans, donc Adorno, Horkheimer, comment il y a Marcuse aussi, le freudo-marxiste assez passionnant qui a écrit Eros et Civilisation. Mais il y a tourne autour de ces gens, plein de gens très très intéressants, comme Walter Benjamin ou Gunther Anders, que je vous invite vraiment à fréquenter, à lire, ou Krakauer, enfin, des gens assez passionnants. Donc, parmi les textes fondateurs de leur réflexion sur le matérialisme d'une façon générale, mais pourrait dire le matérialisme culturel d'une certaine façon, il y a les 11 thèses sur Feuerbach. Est-ce qu'il y a une anime pour les jeux de mots drôles tellement pourris? J'en ai pas prévu, non. L'école de Roquefort, putain, c'est consternant, docteur Webb. Les 11 thèses sur Feuerbach, c'est une série de petites notes prises par Marx, qui n'ont jamais été publiées de son vivant, mais que Engels a rassemblées. Ces 11 petites notes assez chouettes sur un papier griffonné. Engels les a plus ou moins reprises par ailleurs. Il apparaît qu'il les a un peu réécrites à certains endroits, et elles vont pas mal servir de socle doctrinal à la vision du matérialisme d'Adorno, et notamment pour la notion de praxis, qui est vraiment extrêmement présente. On en parlera tout à l'heure quand on arrivera à la question de la praxis. Donc, vous avez un petit aperçu des questions kantiennes. Si vous voulez, on pourra s'étendre un peu plus sur Kant si vous avez envie d'avoir des précisions. J'avais pris quelques notes rapides sur Kant il y a quelque temps pour faire un live avec Gabriel, donc on peut les reprendre à un certain moment si ça vous intéresse et si vraiment vous avez envie d'en savoir plus. Parce que même si la théorie kantienne est largement plombée, elle est centrale des lectures esthétiques à travers les siècles. Donc il est assez difficile de ne pas tomber dessus, un peu comme celle d'Hegel. Donc tôt ou tard, évidemment, on les croise. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que on allait aborder le texte de Adorno par le moment où il questionne les relations comment au désir, qui s'exprime de façon oppositionnelle, mais au fond également centrale chez Freud et chez Kant, pour l'un dans la réfutation totale du désir, et pour l'autre, au contraire, pour sa centralité positive, c'est-à-dire pour Freud. Plus ou moins, la question du désir est au cœur de la production artistique. Donc, il a créé le terme de cristallisation pour en parler, mais en rabattant complètement, finalement, sur. Bon, n'oublions pas que Kant propose hein, une esthétique de la subjectivité. Freud en propose également une, mais là où Kant est un ennemi acharné de toute forme de psychologisme, Freud, au contraire, évidemment, rabat ça sur le sujet désirant. Et ça veut dire aussi que d'une autre façon, bah, lui aussi le dépolitise assez considérablement. Kant, le premier, alors je vais dans le texte, puis on s'arrêtera quand on voudra s'arrêter pour causer des détails si vous le désirez. Kant, t'as jamais pu rentrer dedans à Karakir, mais oui, c'est pas très excitant. Enfan, je sais pas. Hein. Je sais que Andalis, elle aime beaucoup ça. Hein. Elle lit ça comme une espèce de repos et de plaisir de l'esprit. Moi, pas du tout. J'avoue que c'est beaucoup de souffrance. Kant, le premier, a atteint la connaissance admise depuis, selon laquelle le comportement esthétique est affranchi des désirs immédiats. Donc, ce ne sont que des désirs médias, ou plutôt chez Kant. Pas de désir qui ait rapport avec l'accaparement possible de la matérialité. Ça veut dire d'ailleurs que Kant a aussi ça de très commun finalement avec Hegel, c'est que tout est donné du côté de la forme, c'est-à-dire forme pour Kant comme cristallisation d'un universel sans concept qui se trouverait ordonné de l'extérieur. Par le caractère transcendantal de la nature, et pour Hegel, manifestation de ce qu'il appelle l'esprit. Ne me demandez pas trop ce que Hegel appelle l'esprit, je vous avouerai que plus je lis Hegel, moins je comprends ce qu'il entend par esprit. Donc, de ce point de vue, je me rapproche assez de Gabriel, c'est que plus on l'approche,
plus il est difficile de le localiser aussi bien dans l'histoire générale de l'humanité que dans l'histoire subjectivée et individuelle de l'humain. En vérité, il s'agit plutôt, chez Hegel, de voir vers quoi toujours quelque chose tend. En gros, c'est essentiellement, il me semble, une esthétique du télos, c'est-à-dire de l'horizon téléologique, de l'horizon de sa fin. Et il faut prendre le mot fin avec, je dirais, tout le poids qu'il peut prendre chez Hegel, puisque chez lui, il s'agit vraiment de finir quelque chose. Pour Hegel, d'une certaine façon, l'art est toujours quelque chose qui appartient au passé et qui est voué d'une certaine manière à disparaître au profit de l'apparition de l'esprit. Kant le premier a atteint la connaissance admise depuis, selon laquelle le comportement esthétique est affranchi des désirs immédiats. Il a arraché l'art à l'ignorance vorace qui ne cesse de le palper et de le goûter. C'est-à-dire que Kant, comme palpeur et comme goûteur, c'est pas vraiment ça. Néanmoins, le thème kantien n'est pas totalement étranger à la théorie psychanalytique de l'art. Ah bon ? Même pour Freud, les œuvres ne sont pas immédiatement des réalisations de désir, mais elles transforment la libido, d'abord insatisfaite, en réalisation socialement productive, où la valeur sociale de l'art reste évidemment supposée incontestée dans le respect inconditionnel de validité publique. Donc il faut comprendre ça comme quelque chose qui prend sa cause dans la frustration libidinale. Et l'art trouve sa valeur dans le cadre dans lequel un consensus social, public, va lui permettre d'apparaître de façon satisfaisante par les processus de cristallisation. Le télos, c'est juste le but, si tu veux, Rafa. C'est la cause finale, c'est l'horizon de quelque chose. L'articulation, si tu veux, de la production, dont on va parler, puisqu'on va parler un peu de la praxis, on trouve ça un peu articulé entre Platon et Aristote, Aristote dans sa critique de Platon, autour des notions de praxis, de poiesis et de télos. C'est-à-dire, on parlera du but, du télos, qui habite l'une et l'autre, la poiesis comme production et la praxis comme action. Tout ça, c'est, pour l'instant, ça a l'air un peu rapide et un peu brumeux, mais on va éclaircir ça. Que Kant, bien plus énergiquement que Freud, met en évidence la différence entre l'art et la faculté de désirer, et donc entre l'art et la réalité empirique, n'est pas seulement une idéalisation de l'art. La mise à l'écart de la sphère esthétique hors de la réalité empirique constitue l'art pour Kant. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui est constitutif de cette relation, c'est effectivement de toucher à la découverte, comment à la mise en lumière d'une universalité du beau, et, c'est-à-dire la production d'une communion autour d'une expérience qui n'est pas établie sur la connaissance. La mise à l'écart de la sphère esthétique hors de la réalité empirique constitue l'art. Kant, cependant, a transcendantalement arrêté cette constitution, qui est elle-même quelque chose d'historique, et selon une logique simpliste, c'est Adorno qui le dit, il l'a mis sur le même plan que l'essence artistique, sans se soucier du fait que les composants de l'art, subjectifs et pulsionnels, reviennent métamorphosés, même dans la forme la plus mûre qu'il ait mis. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. La première, c'est qu'effectivement, Kant, comme beaucoup de philosophes de l'esthétique, et qui rend si souvent les esthétiques parfaitement inutilisables, Kant place cette question, notamment parce qu'il cherche un universel, dans une sorte de production d'une abstraction, toujours déjà là, qui serait l'essence de l'art. Et cette essence se soucie peu des transformations par lesquelles elle se manifeste, en gros, si vous préférez, de la longue suite généalogique des formes que prennent les œuvres d'art à travers l'histoire, et que prennent également les théories qui les embrassent, car les théories, ça c'est une chose sur laquelle vont beaucoup insister les marxistes, sont aussi des productions. Eh bien, toutes ces choses
les composantes de l'art sont, comme le dit Adorno, subjectives et pulsionnelles. Et à partir de là, quand il dit elles reviennent métamorphosées même dans la forme la plus mûre qu'il ait dit, qu'il ait nie, il nous dit la forme la plus mûre, c'est-à-dire la dernière forme que l'art a pris à travers les œuvres qui sont produites, elle produit un espace dialectique qui est largement historique, à travers lequel, à la fois, elle s'abouche à toutes les œuvres pour constituer le champ artistique et le champ historique, mais à la fois, leur principal potentiel, c'est en elle-même, c'est le principe même de la modernité, hein, d'une certaine façon, elle les nie désormais, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, elle vient les dépasser par sa propre puissance. Des dernières œuvres qui sont créées sont des œuvres qui viennent pas simplement s'affirmer comme œuvre, mais affirmer avec elles-mêmes quelque chose de nouveau pour redessiner les contours de cette fameuse chose que Kant prend pour une essence artistique. Il n'y a pas d'essence artistique, nous dit Adorno. Kant produit une espèce de monstre abstrait, un peu bizarre, qu'il est d'autant plus facile, en gros, de mettre en théorie qu'il n'a pas cours dans le monde des choses. La théorie freudienne s'est rendue compte, bien plus impartialement, du caractère dynamique de l'élément artistique. Il va de soi que Freud, tout autant que Kant, doit en payer un prix qui n'est pas moindre. Si chez celui-ci, et en dépit de toute préférence pour l'intuition sensible, l'essence spirituelle de l'œuvre résulte de la distinction entre le comportement esthétique pratique et l'attitude du désir, l'adaptation freudienne de l'esthétique à la théorie des pulsions semble, elle, s'y enfermer. Donc là, par la distinction qu'il va opérer entre le fait à la fois de produire des œuvres et de les soumettre au jugement et le désir, comme décrit ici comme une attitude, on va dire comme un trait humain, un trait qu'on pourrait dire un trait d'accaparement, un trait matériel et dont l'objet est matériel, par cette distinction, donc il crée une coupure qui interdit l'historicité des œuvres et de la notion d'art tout court. L'adaptation que propose Freud, elle, semble renfermer intégralement la production esthétique sur l'attitude du désir. Il n'y a plus que ça. L'un est incapable d'y trouver un pont, l'autre ne trouve que ça et les consubstantialise d'une certaine façon. Même sublimées, les œuvres d'art ne sont guère autre chose pour Freud que des représentants d'émotions sensibles, qu'elles rendent tout au plus méconnaissables grâce à une sorte de travail du rêve. Donc c'est un peu ironique, mais Adorno compare la façon dont Freud thématise le rêve en faisant une espèce d'industrie souterraine de l'inconscient propre à jouer, on peut dire, le jeu des masques et des transformations pour rendre accessible, c'est-à-dire supportable en fait, le fond du désir du sujet. Alors, c'est important de comprendre que le fond du désir du sujet, psychanalytiquement, c'est pas forcément un désir positif. On comprend bien que le désir du suicidé, c'est de mourir. Donc on peut, c'est pas une question de positivité du désir. L'actualisation du désir est d'autant plus, je dirais, douloureuse, complexe et nécessite d'autant plus de transformation par toutes sortes de processus supposés par Freud que leur fond est par exemple destructif pour le sujet ou porteur d'histoire d'un sujet détruit, traumatisme, etc. Donc Adorno compare finalement la façon dont Freud regarde les œuvres d'art. Non. Freud est assez prudent avec les œuvres. Il ne se cache pas derrière l'analyse. Il a essayé, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Il a été le premier à dire que c'était une impasse et il va foutre la paix à l'art et aux artistes. Mais Adorno n'est, on va dire, et sur ce point-là, il n'est pas aussi fair-play. Il y a un rappel finalement de ce passif freudien. Il est cependant permis de confronter ces deux penseurs antagonistes. Kant a non seulement rejeté le psychologisme philosophique, mais il a également, à la fin de sa vie, il a rejeté toute psychologie, grâce à une analogie qui pèse plus lourd que leurs différences.
entre la construction du sujet transcendantal, donc un sujet qui n'a pas de corps en fait, hein, c'est un sujet qui vaudrait pour tous les sujets, une espèce de composante anthropologique qui existerait en dépit de l'histoire. Il faut bien comprendre que pour un marxiste, le sujet humain, enfin, si on devait parler de quelque chose qui s'appellerait l'humanité, c'est quoi? C'est la somme des constructions sociales. C'est pas un truc, une abstraction qui traverserait tous les êtres humains à l'échelle singulière. Donc il faut bien piger ça, quoi. Donc le sujet transcendantal de Kant, évidemment, c'est pas ça du tout. C'est un sujet presque décorporé et profondément sans histoire, déshistoricisé. Chez l'un, donc, et le recours à un sujet psychologique empirique chez l'autre. Donc le sujet psychologique empirique, c'est-à-dire le sujet solitaire, le sujet rattaché à un corps, le sujet monadique, le sujet replié sur sa psyché, et le sujet comme singularité fermée d'une certaine façon. Tous les deux se situent, vous me dites hein, si vous ne suivez pas, hein. D'accord ? Tous les deux et vous me dites où vous ne suivez pas. Tous les deux se situent subjectivement en principe entre une approche négative et une approche positive de la faculté de désirer. Voilà. C'est les trucs qui vont vraiment les séparer. Pour tous deux, l'œuvre d'art n'est véritablement un rapport qu'avec celui qui la contemple ou qui la produit. C'est-à-dire, elle n'est pas en rapport... Ouais, ça parle École de Francor, hashtag Guignot. Elle n'est pas en rapport avec les constructions sociales. Et l'historicité du sujet est une historicité séparée. Enfin, il n'y a pas d'historicité du sujet pour Kant, du coup. Mais celle de Freud est une historicité séparée. Donc on est très loin de la proposition matérialiste de ce point de vue. Même Kant, par un mécanisme auquel succombe également sa philosophie morale, est contraint de prendre en considération l'individu existant, l'élément ontique, donc ce qu'il est, hein, si vous voulez, plus qu'il n'est compatible de le faire avec l'idée d'un sujet transcendantal. On va dire que ça s'exprime chez lui à chaque fois qu'il est question, effectivement, de mettre en harmonie les expériences du jugement esthétique, puisqu'il s'agit d'y trouver une communion. Puisque c'est au nom de cette communion, par exemple, qu'il peut disqualifier la question de l'intérêt des œuvres, puisque c'est l'horizon, c'est le télos de son jugement esthétique, c'est cette communion. Et ce sera a fortiori, je dirais, une expérience qui doit se révéler d'une certaine manière par sa supériorité d'évidence, puisque, on l'a bien compris, il n'était pas question de la faire reposer, pour Kant, sur la connaissance, dont il tient absolument à séparer le jugement esthétique. Il n'y a pas de satisfaction sans des êtres vivants auxquels peut plaire l'objet. Évidemment, la question de la satisfaction du jugement esthétique, chez Kant, va rappeler à un certain moment forcément la question de l'individu existant parmi les autres. Des éléments constitués sont, sans qu'il en soit question, le théâtre de toute la critique de la faculté de juger. Et c'est pourquoi ce qui était envisagé comme une sorte de pont entre la raison pure théorique et la raison pure pratique est... ah merde, le saligo, il m'a foutu ça en grec, mais je ne suis pas capable de le lire. Je suis vraiment désolé. Ah, une sorte de pont. Ah, Bon. C'est quoi? On va dire que c'est une sorte d'arrangement entre les deux. Certes, le tabou de l'art, hein, et celui-ci obéit à un tabou pour autant qu'il est défini, les définitions sont des tabous rationnels, interdit qu'on se comporte de façon animale vis-à-vis de l'objet, qu'on s'en empare physiquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les définitions sont des tabous rationnels, ça peut paraître très bizarre, mais ça veut dire que la définition agit comme un cadre excluant. On a tendance à penser la définition comme un cadre d'inclusion par le sens, d'un objet dans la collection du sens, mais on oublie qu'au fond, la définition définit, elle finit quelque chose, des relations d'une chose nommée à l'ensemble des autres choses qui ne le sont pas encore. C'est une clôture du sens. Donc ça interdit qu'on se comporte de façon animale vis-à-vis de l'objet, qu'on s'en empare physiquement. On ne doit pas oublier qu'effectivement, salut Méléor Minéas, ce qui, ça se prononce quoi? Nikos Saliagas. Tu es devant le texte, Rafa? C'est ça? Et tu traduirais ça comment? Ça m'intéresse. Moi, j'ai pas fait grec. Donc,
faut bien comprendre qu'un parmi les choses étranges de la proposition kantienne, il y a que l'objet par lequel apparaît la proposition artistique, en tant que réponse inférieure au cadre de la nature, mais qui permette de les faire apparaître, ah, c'est du troll. Ah, je suis vraiment désolé. C'est du troll. Bon, bah tant pis. J'aurais aimé que ce soit une proposition savante et bienvenue, mais non. Bah tant pis pour moi, je ne vois pas la ref. La question kantienne, elle est tout entière articulée autour de la forme. C'est-à-dire une forme exclusive de la matière. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Je ne vois pas comment il peut exister une matière sans forme. Mais le truc, c'est que la matière, précisément, ramène le plan des relations à l'objet d'art sur celui du désir et de l'intérêt, c'est-à-dire de la capacité à trouver les rapports sensuels dans la matière elle-même. Or, c'est pas du tout par là que Kant veut passer, puisque ce qui travaille, évidemment, le corpus kantien, c'est le corpus de la représentation. Et quand bien même cette représentation est abstraite, c'est-à-dire quand bien même elle ne sert que de véhicule à l'ordre naturel, quand bien même il n'est pas question, par exemple, de la mimésie, c'est-à-dire de la ressemblance de la figure, il est quand même question de la représentation, et à partir de là, c'est elle qui est visé par le jugement et pas la matière qui en rencontre. Évidemment, tout ça n'a pas beaucoup de sens. On pourra parler de là où il y a des écueils par rapport à ça. Il y a notamment des écueils dans la volonté farouche d'oublier beaucoup de choses sur la notion de la connaissance dans la relation à l'art. Donc, par exemple, une chose qui est exclue de la proposition kantienne et que quand même extrêmement problématique, c'est que Kant est bien obligé de remarquer qu'il faut, pour que s'exerce une critique du jugement, une communion des représentations, c'est-à-dire il faut une connaissance. Et cette connaissance préalable, elle suppose des spécialistes, qui là aussi font reposer sur la connaissance l'aptitude à rendre compte des conditions subjectives de la faculté de juger. Et elles sont supposées, ces conditions subjectives, être dans tout le monde, chez tout le monde. C'est exactement ce que Adorno appelle ici, j'ai oublié où était le mot, mais disons un donné, un élément constitué, c'est ça, il appelle ça un élément constitué. Ces conditions subjectives de la faculté de juger sont censées être les mêmes, mais en vérité, parce que sinon on ne pourrait pas se communiquer les représentations, mais elles supposent une spécialité, c'est-à-dire une capacité à traiter de ces intuitions, à les partager et à comprendre le nouage qui peut exister entre l'imagination et l'entendement et à pouvoir le partager. Donc là, il y a une sorte d'impasse par rapport à la notion de la connaissance. Et évidemment, il y a d'autres problèmes qui viennent s'y nouer. C'est le fait que, en plus, par l'art, quelque chose du monde se connaît. C'est-à-dire que c'est bien joli de supposer de façon un peu unilatérale qu'il ne soit pas nécessaire de placer la connaissance dans l'ordre de la question esthétique, dans l'ordre du jugement quand on observe l'objet d'art, mais c'est oublier que par l'objet d'art aussi, quelque chose du monde se connaît. Alors, 50 nuances de grec kantien. Je ne pensais pas que ça puisse être pris au premier degré. D'accord. Bon. Dans ce cas-là, je suis désolé si j'ai raté une remarque cinglante et amusante. Je prends tout au premier degré, effectivement. Voilà. Sachez-le. Mais reconnaissez que c'est de la générosité de ma part. Je prends au sérieux vos remarques en supposant qu'elles sont toujours fondées en sens. Et je ne sais pas qu'est-ce qui peut me conduire à une telle hypothèse, puisque en fait, vous faites toujours chuter cet espoir. Qu'est-ce que je disais ? On parlait donc de la question du tabou, de la définition. Ah oui, la question de la forme et de la matière, elle est vraiment aussi problématique chez Kant, puisqu'elle suppose qu'il n'y a rien qui fasse reposer la question de l'organisation même de ces règles supérieures données par la nature sur une connaissance particulière de celle-ci, c'est-à-dire sur une théorie de la nature. Et on va dire d'ailleurs que c'est un des problèmes
généraux qu'on peut retrouver dans toutes les théories esthétiques, c'est qu'elles se gardent bien, généralement, de laisser apparaître la théorie de la connaissance sur laquelle elles reposent. Or, les théories de la connaissance, il y en a beaucoup, et on peut pas faire comme si d'un seul coup elles s'excluaient, elles disparaissaient, juste parce qu'on a affirmé de façon très péremptoire que là n'était pas à ce moment-là la question. Parce que, si quelqu'un parle grec, oui, je peux vous mettre le mot. Effectivement, c'est une bonne idée, Raphaël. Si quelqu'un a des notions de grec, je veux bien. Alors, c'est là. J'espère que la caméra va faire la mise au point. Est-ce qu'elle l'a fait? Ah, elle l'a fait pas, on dirait que c'est flou. Ah, je suis désolé. C'est flou, on ne pourra pas avancer là-dessus. Tant pis. Mais à la force du tabou correspond celle de ce à quoi se rapporte ce tabou. Tout art contient en soi, nié comme moment, ce dont il se détourne. Là, on rentre pratiquement de plein pied dans Salut d'Animer, dans la politique des matériaux, en fait. Le matériau, c'est une notion qui est assez importante chez... Virkante, là, pour l'instant. Je pense qu'on va pas lire mes notes parce que ça va être chiant à ce moment-là. La question du matériau, elle est centrale chez Adorno, elle est centrale d'une manière générale dans les théories matérialistes de l'école de Francfort. Elle est le produit d'une interaction entre sujet et société. Le matériau lui-même, et je crois vous l'avoir déjà dit, pour Adorno, c'est de l'esprit sédimenté. C'est quelque chose de préformé socialement à travers la conscience et l'action des hommes. Il faut savoir aussi que ce matériau, il n'est pas indifféremment touché juste par les constructions sociales, mais il est aussi porteur de la sédimentation du sujet lui-même. C'est-à-dire que l'action est présente dans le matériau. Là, on retrouve la doctrine de l'action, la doctrine de la praxis des thèses sur Feuerbach de Marx, à savoir que, fondamentalement, comme le dit la troisième petite thèse sur Feuerbach, les hommes sont les produits des circonstances et de l'éducation, et donc les hommes transformés sont les produits de circonstances d'une éducation par des hommes qui eux-mêmes sont transformés par des circonstances et de l'éducation, l'éducateur a été, etc., etc. Donc le matériau sur lequel travaille l'artiste, sur lequel travaille finalement l'activité art, est un tissage savant, il n'est pas un élément. On a tendance, c'est un peu complexe, mais c'est un truc intéressant à quoi on peut réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui apporte à un matériau, le statut de matériau, même si on le prend sur un plan le plus littéral possible et imaginable. C'est-à-dire, on va poser la question du matériau telle qu'elle se pose artistiquement devant la série objective des collections sensibles, des collections d'objets, des substrats matériels, des supports, de tout ce qu'on va considérer comme élémentaire. Le caractère élémentaire de ce matériau n'est pas défini par des propriétés qui lui sont propres. En vérité, ce qui va les définir comme matériaux, sur le plan artistique, c'est le statut que vous lui accordez dans votre chaîne de production. Je vais prendre un exemple très simple. Sinon, on ne va rien comprendre. On va prendre un autre marxiste, on va prendre Straub. Quand Straub s'exaspère, on peut le voir s'exaspérer dans le film de Pedro Costa auprès de sa compagnie monteuse Danielle Huillet, il s'exaspère sur le cinéma un peu spiritualisant, qui a une vision très hegélienne finalement de la production, qui part vraiment sur l'idée d'un transport de l'esprit, etc. Donc cette spiritualisation l'énerve énormément. Il parle de ses rushs et de la table de montage, et il dit, bon voilà, non, c'est pas très long, Schlaglinio, les petites thèses sur Feuerbach, c'est juste ça, hein, c'est 11 petites notes que...
que Marx a laissées, qui ont été retranscrites par Engels. Si vous voulez, on peut se les taper, il n'y a pas de problème. Ça vous fait plaisir qu'on lise les 11 thèses sur Feuerbach, il n'y a, pas de problème, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait intégrer. D'accord, c'était encore du troll. Ah, maintenant. Vous êtes cruels tous. Je vous déteste. Vous êtes le pire chat du monde. Pourquoi moi? Pourquoi vous me faites ça? Donc, comment. Straub s'exaspère et dit, il y a un moment quand même, il faut prendre en considération le fait qu'il y a une consécution comme ça de réalisations qui vont vers la forme, et la forme c'est fondamental, et vous avez un matériau, il faut lui faire prendre terre, il faut lui faire prendre forme, et là, et seulement là, quelque chose apparaît par elle qui serait l'idée, etc. Donc ça veut dire que pour lui, il n'y a pas une chaîne causale qui commencerait dans l'idée et qui se matérialiserait par la forme, déjà. Donc c'est une vision comme une autre. Elle est critiquable, mais on va peut-être pas le faire là. Enfin, si vous voulez, on peut, hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'est-ce qu'il considère comme matériau? Eh bien, ce sont ces rushs. Donc il filme, il a une montagne de rushs, de prises de vue, et cette montagne de rushs, bah, c'est aussi la plus courte, hein, je la guignol. Cette montagne de rushs, il va falloir les monter, il va falloir travailler dessus, et c'est le travail qui va les établir en matériaux. Mais ce n'est pas du tout leur statut ontologique. C'est parce que ces choses sont la même chose, une prise de vue. Pour Andy Warhol, par exemple, c'est le film lui-même. Ce n'est pas du tout un matériau. C'est l'œuvre achevée. Quand Warhol pose sa caméra devant son ami Grégory Corso qui dort pendant 24 heures, non, il ne dort pas 24 heures, je ne sais plus. Enfin, bon, c'est un des. Non, le 24 heures, c'est une vue de New York. Enfin, pendant la nuit donc, de Corso, il pose sa caméra. Donc cet homme dort pendant tout le film, c'est 6-7 heures, du coup, je suppose. Eh bien, la chose en soi, le film tourné, le rush, est, pour Straub, un matériau. Ce qui a décidé du statut de matériau du rush, ce n'est pas du tout ce qu'il était, mais tout simplement l'endroit où vous le placez dans votre construction. Bah, d'où vous vient que, à l'échelle générale, le matériau est finalement toujours une espèce de composition anthropologique transitoire, en attente de production théorique, de sens, d'interrogation sociale, tout ce que vous voulez, mais qui ne possède pas son sens en soi, qui doit être examiné comme constituante autant que constituée. Ça, c'est un truc vraiment important à comprendre pour le statut du matériau. Est-ce que c'est clair? Pour être plus qu'indifférence, un soupçon d'intérêt, même le plus frustre, doit accompagner ce qui est désintéressé. Et il est grandement prouvé que la dignité des œuvres d'art dépend de la grandeur de l'intérêt auquel on les arrache. C'est-à-dire, on pourrait dire ça, leur grandeur ne repose pas sur l'intérêt qu'on leur accorde, mais plutôt de l'intérêt général, qu'on pourrait appeler la situation art, auxquelles on peut les arracher, auxquelles elles s'arrachent elles-mêmes finalement quand elles sont par exemple des œuvres d'avant-garde, qui sont vraiment là pour le coup des œuvres dialectiques, eh bien leur proposition est avant tout oppositionnelle à un intérêt général, et plus celui-ci est grand, et plus il est coûteux de s'y arracher, alors plus l'œuvre sera grande. Kant nie tout cela au nom d'un concept de liberté qui frappe d'hétéronomie ce qui n'est pas propre au sujet. C'est-à-dire, tout ce qui n'appartient pas en propre au sujet qui énonce le jugement esthétique est une autre chose que lui. Elle n'a pas d'identité qui lie d'une manière ou d'une autre le sujet à son objet. Sa théorie de l'art est déformée par l'insuffisance de la doctrine de la raison pratique. Selon sa philosophie, l'idée d'un beau qui posséderait ou aurait acquis une parcelle d'autonomie vis-à-vis du moi souverain apparaît comme une échappée dans les mondes intelligibles. Effectivement, si d'un seul coup la question se posait d'une espèce d'en soi du jugement qui passerait pas par le jugement esthétique et qui pourrait être atteint par quelque chose d'autre que cette universalité du jugement, alors le seul moyen de lui reconnaître un statut un peu
tenable à ce moment-là, c'est de la rabattre sur ce que Kant avait écarté des propriétés du jugement esthétique, à savoir la connaissance, à ce moment-là. Elle apparaît comme une échappée, c'est-à-dire que le seul moment où d'un seul coup cette autonomie est retrouvée, c'est dans l'appel qui est fait pour la connaître des processus de la connaissance. Conjointement à ce dont il est antithétiquement issu, donc par antithèse, par opposition, antithétiquement, l'art est cependant amputé de tout contenu, et on suppose à sa place un élément aussi formel que la satisfaction. C'est le terme de Kant, par ailleurs. La question du contenu, alors là, il faut bien comprendre aussi ce qu'elle veut dire chez Adorno, je crois qu'on l'a déjà abordé. La question du contenu, elle hante Alors bon, on a bien compris ce qu'était ce fameux contenu chez Kant, hein, cette espèce d'universel sans concept. Et chez Hegel, c'est pleinement un contenu spirituel. C'est lui qui doit être atteint. Alors, où se place la satisfaction à cet endroit-là? On pourrait dire que c'est la satisfaction d'une opération bien menée. Elle n'est pas dans l'objet, elle n'est pas dans un rapport de désir et de plaisir, elle est complètement extrinsèque finalement à l'objet. Et là encore, ça veut dire qu'on a affaire à des objets sans histoire. Ça veut dire que pour Kant, il paraît évident, apparemment, que le jugement esthétique va être le même, dans tous les sens qu'on peut donner à cette même T, selon que vous placiez devant un objet issu du marteau et du burin de Praxitèle, donc une statue grecque, quand Kant regarde un objet qui lui est contemporain. Là, d'un seul coup, il n'y a pas à proprement parler d'autonomie de l'objet. Il y a juste tous ces objets sont rabattus, finalement, sur la question de la satisfaction du jugement esthétique, en dehors de toute forme historique. Assez paradoxalement, l'esthétique apparaît à Kant comme un hédonisme émasculé, un plaisir sans plaisir. De manière aussi bien injuste envers l'expérience artistique, dans laquelle cette satisfaction joue incidemment et n'est aucunement la totalité, qu'envers l'intérêt sensuel, envers les besoins réprimés et inassouvis qui vibrent dans leur négation esthétique et font que les œuvres sont plus que des modèles creux. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous produisez une espèce de théorie de la forme qui repose essentiellement sur la question de ses relations avec un contenu, qu'il soit spirituel ou autre, vous excluez complètement que la forme elle-même ait quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'elle ait un sens en elle-même. Je ne parle même pas de la matière dont elle est constituée, qui, chez Kant, n'a aucune espèce d'importance. Évidemment, rien dans ce cas-là ne viendra rappeler dans l'expérience esthétique en quoi la pluralité, la prolifération des propositions matérielles viendrait satisfaire d'autres formes du jugement esthétique. Non, non, c'est toujours le même. Et dans ce cas-là, il devient assez compliqué de donner du sens à la prolifération et de ses formes et des matériaux utilisés, puisque tous, plus ou moins, visent un bon débarras. Un débarras de la forme et de l'objet, qui est finalement un objet en creux qui est en attente d'une forme de satisfaction qui lui est extérieure et transcendante, et qui viendra, tôt ou tard, donc, remplacer l'objet lui-même. Alors, tu veux un point sur le concept de satisfaction du jugement esthétique? Ouais. Alors là, je peux reprendre mes notes, si vous voulez. Qu'est-ce que j'avais noté par rapport à cette satisfaction et comment elle vient remplir finalement l'expérience esthétique. Donc elle est considérée comme une attente de communion autour d'une expérience qui n'est pas établie sur la connaissance, ça je vous l'ai déjà dit, et qui oppose donc le plaisir du beau et le désir dans un cadre désintéressé. Donc il disjoint complètement le plaisir esthétique de la connaissance, ce qui veut dire qu'une odeur, une couleur ne peuvent être agréables, elles peuvent être en elles-mêmes, je veux dire, que agréables, et elles ne peuvent être belles que lorsqu'elles sont associées à une forme. Ce qui veut dire qu'il y a de l'informe préalable. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, peut-être,
qu'il y a un cadre de supériorité implicite à la réalisation de la forme qui n'est jamais dit chez Kant. Par exemple, quand il renvoie l'esthétique du spectateur au beau naturel principal, il implique que l'art a l'apparence de la nature, donc en étant tout à fait autre chose. Alors qu'il doit être visiblement et ostensiblement autre chose. Il se doit de montrer qu'il est autre chose, pour qu'on ait conscience que c'est de l'art, et pour que d'un seul coup soit convoqué, d'une certaine manière, les possibilités d'y joindre la satisfaction du jugement esthétique. Il faut qu'il y ait quelque chose de décelable. Et là, on arrive à des choses assez étranges. Parce que la supériorité de la nature sur l'art, elle est censée désubordonner l'art de la beauté comme chose, comme concept platonicien. C'est un peu l'idée de Kant, c'est de se débarrasser de l'idée qu'il y aurait un beau à atteindre. Mais il la subordonne d'un seul coup à une autre forme de transcendance qui est un certain ordre, une espèce d'universalité structurante, finalement, de la nature dont il faudrait révéler les règles. Et la satisfaction du jugement, elle vient dans la réception, la compréhension, enfin, c'est pas la connaissance, donc la réception et l'appréciation sensible de ces règles enfin révélées. Il postule la supériorité de la nature sur l'art, hein, et il prend par exemple l'exemple à un moment d'une musique. Il entend une musique, il ne sait pas si c'est un rossignol qui chante ou s'il entend une mélodie faite par un être humain. Et voilà, en vérité, quand il dit qu'il ne sait pas s'il entend la nature ou s'il entend une mélodie, il veut pouvoir faire cette distinction pour dire qu'il y a art à ce moment-là et toucher à la question de la satisfaction du jugement esthétique. Mais en fait, il n'entend pas plus la nature qu'il entend une mélodie à ce moment-là. Il entend un rossignol. Et si l'identité du rossignol est celle d'un imitateur, bah le charme de la beauté, elle tombe aussitôt. Parce que l'imitation ne vaut comme art qu'à la condition de se faire oublier comme imitation pour Kant. Donc ça veut dire que quand on admire le faux de l'art, c'est, il ne comprend pas Kant que ce qui est admiré, c'est pas la chose en soi. Mais c'est à ce moment-là la relation même à la mimésis, au fait d'imiter. Kant n'entend pas que celle-ci, et il ne peut pas l'entendre, parce que le fait d'imiter est profondément social et profondément historique. Il appartient à un cadre qui ne peut pas être défini en dehors d'une actualisation particulière d'une circonstance sociale. Donc à partir de là, il soustrait du jugement à peu près tout ce qui fait profondément l'activité artistique, du moins au sens où on peut l'entendre encore au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une activité, on va dire, dévoré par la question de la mimésie, c'est-à-dire de la représentation à l'égal de la nature, à l'image de la nature. Mais ce n'est pas l'égal qui est visé. Et Kant ne sait pas... Il ne sait pas que les théories de la mimésie sont de multiples théories et pas toujours le même événement. Et qu'elles sont des réponses qui ne visent pas tant l'imagination par la capacité d'usurper une position que par la possibilité d'affirmer, dans de nombreux cas, la relation anthropologique à la nature par la mise en évidence du caractère mimétique de la mimésis. Ce qui est fascinant dans le moment où des oiseaux vont picorer les raisins de Zeuxis, donc le peintre dont Pline nous raconte l'histoire pour cette anecdote dans son Histoire naturelle, c'est pas ce moment de subterfuge, c'est comment ça se joue à ce moment-là dans la société grecque, la relation qu'on veut entretenir, à la fois avec la question du subterfuge, et qu'est-ce que l'on veut tromper à cet endroit-là de la peinture. Quel type de relation va exister entre Zeuxis et son environnement, c'est-à-dire un moment fugace d'une théorie esthétique qui postule que c'est par ce mouvement-là, par cette relation-là à la nature, que va s'établir le caractère dit de la ressemblance. Mais cette ressemblance, elle est jetable. Il ne s'agit pas d'imaginer que l'histoire de l'art n'est qu'une longue suite ininterrompue d'avancées vers un état idéal de représentation, c'est-à-dire de quasi-présentation de la nature à son identique. Il s'agit plutôt, à chaque fois, de produire des formes critiques des relations entre les humains et leur monde. Alors, la satisfaction de Kant, c'est de comprendre de façon sensible les lois de la nature en faisant l'expérience d'une œuvre d'art. En gros, c'est ça. Ouf, pour Kant,
quand on touche à la question du sublime, de la nature elle-même, qui lui est expérience toujours supérieure en tant qu'elle est sans connaissance, selon lui. Ce qui, évidemment, n'est pas plus vrai. Il n'y a rien qui puisse se connaître qui s'appellerait la nature. Il n'y a rien qui ressemble moins à la nature dont parle Kant que celle dont aurait pu parler, aurait pu parler Fra Angelico ou des siècles avant Philoxénos. En vérité, on ne parle pas de la même chose. Donc là encore, les abstractions déjà constituées par Kant, comme elles sont anhistoriques, elles nous confrontent à toutes sortes de problèmes insolubles, en fait, dans la relation du jugement lui-même. Je vais me servir une petite chicorée. Donc ça veut dire que pour Kant, dans cette petite anecdote du Rossignol, il part du principe que la nature a le pouvoir de capter plus l'intérêt que l'artifice, parce que l'artifice n'est pas considéré lui-même comme digne en tant que tel d'observation et de jugement. Et d'autre part, il part du principe que la raison est au cœur d'un problème qui permet de discriminer le vrai du faux, alors qu'il avait voulu établir que ça n'avait rien à voir avec le plaisir esthétique auparavant. Donc, évidemment, toute cette question, elle ne repose dans l'exemple de Kant, et il prendra toujours des exemples qui satisfont sa théorie, que parce qu'il s'est bien gardé d'établir des relations plus vastes à la question de la représentation. S'il avait choisi une mouette ou un animal dont le chant est considéré a priori pour des raisons purement culturelles comme disgracieux, son bel exemple de relation à établir entre la qualité de la mimésis, le pouvoir de fascination de la nature et la question du trucage et de la supériorité de l'objet naturel sur l'objet du faux, tout ça évidemment ne tient pas. De la même manière, à chaque fois qu'il parle de cette supériorité, il oublie que lui, il parle de la beauté libre, c'est la beauté naturelle, la beauté des objets, qu'il oppose à la beauté adhérente, donc une beauté qui reposerait sur des canons, donc ces canons qui sont révélés à travers les œuvres d'art. Il oublie, ou ne veut pas savoir, ou ne sait pas, que la beauté de la nature repose également sur des canons. C'est-à-dire que le regard que l'on porte sur le monde sensible est complètement subordonné à des constructions théoriques et artistiques qui la font regarder de telle ou telle manière et qui mettent en disposition le jugement par des cadres théoriques, c'est-à-dire des modalités de la connaissance. Alors, où j'en étais ? Le désintéressement esthétique a élargi l'intérêt bien au-delà de sa particularité. L'intérêt pour la totalité esthétique voulait être objectivement un intérêt pour une organisation juste de la totalité. Donc, vous avez bien compris, hein, on est dans ce caractère transcendantal. Et la question posée par Kant fait que la totalité des expériences esthétiques ne repose que sur un intérêt pour quelque chose qui lui est extérieur, et c'est l'ordre de la totalité elle-même qui est censé porter les effets dans chaque représentant de la longue famille des productions humaines de cette cause première. Il ne visait pas la réalisation particulière, donc telle ou telle œuvre, mais la possibilité sans entrave qui cependant n'existerait pas sans cette réalisation particulière. Évidemment, l'autre écueil, c'est qu'à tout moment, on a la même difficulté qu'avec la disparition, avec l'escamotage tout à l'heure du sujet singulier, avec un sujet transcendantal, mais c'est qu'en vérité, à chaque fois, on est obligé de retourner au monde des choses matérielles, pour pouvoir commencer à penser à quelque chose plutôt qu'à rien en regardant tel ou tel objet. Il faut que nous y soyons confrontés.
Corrélativement à la faiblesse de la théorie kantienne, la théorie freudienne de l'art est beaucoup plus idéaliste qu'elle ne croit l'être. En se contentant de transférer les œuvres d'art dans l'immanence psychique, donc le caractère immanent dans le fait que ce psychisme trouve sa solution en lui-même, hein, dans son organisation propre, elle les dépouille de l'antithèse au non-moi que les pointes des œuvres d'art laissent intactes. C'est-à-dire, en quoi elle les dépouille de cette antithèse au non-moi que les... Eh bien, le tout du psychisme, évidemment, ne vient pas s'aboucher dans la réalisation. Ce qui veut dire qu'il y a des arêtes, il y a du bruit, il y a du déchet, il y a du reste. Et de ce reste, il faut bien dire quelque chose. Le reste, chez Kant, clairement, c'est la matière. Le reste, chez Hegel, c'est également la matière, mais c'est aussi, au fond, la forme elle-même, qui finit par être escamotée au profit de l'esprit qui la traverse. Or, je dirais, moi, que ce reste, c'est ça, le tout de l'art. C'est plutôt de ça dont on est en train de parler. Celle-ci s'épuise dans la réalisation psychique de la domination du renoncement pulsionnel et, en fin de compte, dans l'adaptation. Alors, elle s'épuise dans la réalisation psychique de la domination du renoncement pulsionnel et, en fin de compte, dans l'adaptation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ah oui, c'est ça. Ces pointes des œuvres qui sont intactes par, qu'on pourrait dire, la cristallisation du psychisme, il y a dans l'adaptation à une situation générale, la situation art, tout un pan dans lequel cette cristallisation vient s'effectuer. Elle n'est pas hors sol social, elle est dans un cadre historico-critique qui est celui des œuvres d'art dans lesquelles le psychisme naît, vit, meurt et agit. Le psychologisme de l'interprétation esthétique s'entend fort bien avec la conception philistine de l'œuvre d'art comme apaisant harmonieusement les contradictions, comme illusion d'une vie meilleure, sans prendre en considération le mal auquel elle a été arrachée. Hors de ce mal, on pourrait dire qu'il est ce dont Adorno parle, il est les pointes des œuvres d'art laissées intactes. C'est-à-dire que dans les œuvres apparaît quand même un nombre assez considérable de choses qui sont le substrat dans lequel s'exerce la souffrance psychique, si elle apparaît, et aussi les, on pourrait dire, les dispositions matérielles dans lesquelles elle s'effectue. Tout ceci, il faut en prendre en considération, parce que sinon, on ne comprend rien. C'est pas un psychisme qui roule en lui-même, sur lui-même, en roue libre. C'est un psychisme pris dans des circonstances sociales. Et s'il y a mal, il y a cause de ce mal qui est à trouver pas seulement à l'extérieur de l'œuvre, mais également en elle-même. Et ça, ça déborde le renformement du psychisme comme immanence, quoi. À la reprise conformiste par la psychanalyse de la conception courante de l'œuvre comme bien culturel bienfaisant, correspond un hédonisme esthétique qui transfère toute négativité de l'art dans les conflits instinctuels de sa genèse et l'escamote dans le résultat. En gros, ce que nous dit Adorno, pour qui la notion de négativité est très importante pour comprendre ce que font les avant-gardes, par exemple, notamment dans la relation aux matériaux, historiques, eh bien, toutes ces choses, si on n'en tient pas compte, elles sont rabattues uniquement sur la négativité du sujet psychique, en oubliant complètement que ce qui s'exerce dans la production des œuvres d'art va au-delà des conflits qu'il appelle conflits instinctuels de sa jeunesse, c'est-à-dire les conflits propres du sujet du psychisme dont il est question, et donc elles sont escamotées à ce moment-là dans le regard psychologique qui est porté dessus. Alors, Rafa nous dit, alors, Chauvet lâche, la zététique, c'est plus simple quand même. Ouais, ça peut. Oui, ça peut sembler plus simple, mais c'est parce que c'est un... Comment dire ? C'est un parage d'un objet complexe.
Tu vois, la zététique, elle se pose comme une série d'attitudes devant les objets complexes. Mais il est évident que à chaque fois qu'on pose en des termes zététiques la question de la fiabilité de tel ou tel objet, on ne creuse pas la singularité de cet objet lui-même. On ne se lance pas dans la grande difficulté, par exemple, à résoudre telle ou telle modélisation dans la science physique quantique, par exemple. Parce que là, on arriverait dans le lourd et dans la grande difficulté, mais plutôt la façon dont il est perçu socialement, dont se construisent autour des jeux d'autorité, de pouvoir, etc., etc. Donc la zététique est toujours dans les parages de la complexité. Tu vois, elle est donc plus libre finalement. On peut dire que la zététique n'est jamais rien d'autre que, au fond, la construction d'un appareil critique avec un certain nombre de règles. Mais la construction d'un appareil critique, c'est plus de l'ordre du comportement social, des modalités générales de l'analyse. Mais les objets, bah ouais, les objets, eux, si on allait à chaque fois au cœur, ce serait pas moins compliqué que la théorie esthétique d'Adorno. On reviendrait à la complexité. Par exemple, quand on fait avec Gaël des séries sur Les Gardiens de la Raison ou Stengers et Science et Pouvoir, on n'analyse pas les faits scientifiques, on analyse la façon dont ils sont diffusés socialement, dont ils sont reçus, perçus, utilisés, armés, instrumentalisés. Et c'est un tout petit peu plus simple puisque on n'a pas à questionner justement vraiment le fond à chaque fois de ces objets eux-mêmes. Si on fait de la sublimation et de l'intégration obtenue le seul but de l'œuvre d'art, hein, alors l'intégration, c'est-à-dire on part du principe que quelque chose est mis dans la forme, quoi. C'est encore une vision fond-forme qui est assez frelatée. C'est oublier tout ce que les formes des objets d'art produisent et font en elles-mêmes. La matérialité n'est pas un accident des œuvres. Elle en est, pour un peintre impressionniste par exemple, elle est l'essentiel de la construction artistique. C'est elle qui pose finalement par ses actions, dans un complexe à la fois rétinien, poétique et aussi sociocritique, hein, elle pose une façon de faire qui est une façon d'être en vérité. Alors, c'est vrai que la prose d'Adorno, là, comme c'est formulé, c'est pas facile à suivre. Oui, je suis désolé. Mais la théorie esthétique d'Adorno n'a pas la réputation d'être simple, simple, simple. J'essaie de vous la rendre un peu plus claire, mais je vois bien que c'est compliqué, que ça reste compliqué. Mais dès que le comportement de l'œuvre maintient la négativité de la réalité et prend position à l'égard de celle-ci, le concept de désintéressement se modifie également. Évidemment. Évidemment, si on commence à prendre en considération les opérations de la négativité, non pas la négativité critique du sujet ou la négativité psychique du sujet à tel ou tel endroit, mais bien au fond tout ce à quoi l'œuvre s'arrime socio-critiquement, socio-historiquement, alors la question de l'intérêt, elle devient fondamentale. C'est-à-dire, vous avez un intérêt politique, personnel, construit par vous-même, selon votre historicité, à trouver dans telle ou telle œuvre un endroit, un lieu spéculaire, un bout de miroir de vos propres constructions négatives, c'est-à-dire de votre propre rapport aux matériaux socio-historiques. Les œuvres d'art impliquent en elles-mêmes un rapport entre l'intérêt et son refus, à l'encontre aussi bien de l'interprétation kantienne que de l'interprétation freudienne. Même le comportement contemplatif envers les œuvres d'art, arraché aux objets de l'action, s'éprouve comme dénonciation d'une praxis immédiate, et dans cette mesure, comme quelque chose de soi-même pratique, comme refus d'entrer dans le jeu. Il met en œuvre praxis contre praxis. Cette question de la praxis, donc on l'a évoquée tout à l'heure, elle est un petit peu complexe, mais on va essayer de la rendre à peu près audible. On la voit apparaître les premières fois théorisée chez les Grecs, notamment du côté d'Aristote, par opposition à la poiésis. On pourrait dire qu'au fond, on va essayer de simplifier, l'objet de l'action n'est pas le même. Littéralement, on a d'un côté la production, qui serait la poiésis, et la praxis serait l'action. Mais l'action pour elle-même comme constitutive, si vous voulez, d'un devenir du sujet qui la porte. C'est-à-dire, elle est la praxis,
son sujet et son objet. La poiesis, c'est la production des choses matérielles. L'objet de la poiesis, le télos de la poiesis, c'est toujours plus ou moins une chose matérielle. L'objet de la praxis, c'est le sujet de la praxis. C'est-à-dire, ce qui est visé, c'est son caractère transformant du sujet. Ce qui intéresse beaucoup, évidemment, les marxistes, c'est d'établir une espèce de regard général sur la question de la praxis pour penser la société complètement comme un tissu des activités humaines. C'est-à-dire, arrêter de regarder des humains comme des chaînes, enfin comme des choses produites par des circonstances seulement, mais c'est aussi des corps constituants de l'organisation générale et de la totalité des relations interindividuelles à l'intérieur d'une société. Et ces choses les changent. Elles les changent eux-mêmes. Et la praxis sociale, si on imagine une extension de cette notion de praxis à une échelle sursubjective, une échelle collective, alors ce sont les transformations collectives de tous les sujets entre eux qui font société. Alors, parler des objets, c'est toujours chiant. Là, je crois piger l'idée qui est simple. Le beau, c'est situé, il y a tout un bousin immensément complexe et faux. Expliquer et justifier ça. Bah, c'est plus tortueux, Chauvelage, parce que la question du beau, elle est vraiment... C'est une savonnette historique, en fait. Mais on construit sur elle la possibilité d'en juger. Mais cette possibilité d'en juger, elle est inextricable de la déclaration par laquelle le beau existe à tel ou tel endroit. Ce qui fait que pendant longtemps, enfin, si par exemple tu t'intéressais aux esthétiques médiévales, tu vois, ou notamment dans les origines néoplatoniciennes de certaines de ces questions esthétiques, que ce soit chez Porphyre, enfin ce genre d'intellectuel à ce moment-là de l'histoire, le beau n'existe que comme chose naturelle. C'est vrai, enfin, à chaque fois qu'on pense la question du beau, c'est là qu'on va la chercher. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance, quand on parle d'esthétique, à supposer que la question du beau, elle est dans les œuvres humaines. Mais c'est un long déplacement historique qui fait que cette question n'a pas cessé de se déplacer. Et tu vois bien qu'entre la question, par exemple, de la praxis et de la poiesis, artistiquement, elle est super difficile à séparer. C'est très difficile, en vérité, de savoir quel est le télos, quel est le but de la production artistique. Parce que, en vérité, le caractère transformant du sujet par la production des œuvres, elle est centrale du point de vue du sujet productif. Celui qui fait œuvre d'art cherche plus à se changer lui-même, il est son propre objet, et pour lui, finalement, l'œuvre produite n'est que le déchet d'une activité qui a eu lieu, à partir de laquelle, objet à partir duquel, pardon, recommence une praxis, enfin se poursuit une praxis, se poursuit une construction de soi. La poiesis est plus ou moins accidentelle. Mais même elle, elle s'inscrit dans une praxis. C'est-à-dire que ces objets sont potentiellement extrêmement transformants. Ils agissent un peu comme des sujets. Il y a plein de théoriciens qui observent les œuvres d'art et en parlent comme ayant un grand nombre de propriétés subjectivantes. C'est-à-dire agissant dans le corps social avec des puissances subjectives, avec les mêmes types de relations instituantes entre sujet et objet. Donc la séparation, la coupure entre praxis et poiesis dans le champ de l'art, du point de vue contemporain, c'est-à-dire tel qu'aujourd'hui on aurait tendance à penser les œuvres d'art, eh bien, elle est rendue extrêmement complexe. Donc on ne peut pas reprocher, si tu veux... C'est pas une trahison de la question de la beauté que de la remettre inlassablement en question dans des cadres théoriques, parce que fondamentalement, la beauté est problématique. Elle est... Baudelaire parlait souvent de l'éternel fondé sur le transitoire pour parler de la modernité, mais la beauté est prise dans cet étrange trajet. Elle est toujours dite, notamment par Kant, par exemple, en des termes d'objets construits supposés éternels, alors qu'en vérité, son caractère transitoire exige inlassablement, au fond, qu'on re-questionne, qu'on reconditionne ses modalités d'apparition et de jugement. Donc ça rend les choses à la fois subtiles et complexes. Et considérer le comportement contemplatif envers les œuvres d'art comme une praxis aussi, c'est extrêmement intéressant, évidemment. Donc c'est pas une attitude qui serait une attitude de
pure neutralité passive. L'art ne représente pas seulement une praxis meilleure que celle qui domine jusqu'à nos jours. Il est aussi critique de la praxis en tant que domination de la conservation brutale de soi à l'intérieur du statu quo. Et au nom de l'amour qu'il lui voue, il convainc la production pour elle-même de mensonges en optant pour un stade de la praxis situé au-delà de l'emprise du travail. C'est-à-dire que la particularité de cette praxis artistique, c'est au fond moins de se présenter comme un trait d'action, d'activité glissé parmi l'ensemble des autres pour faire société et la constituer, qu'un trait qui, d'une certaine manière, rencontre de la totalité de ses praxis et de ses tensions. Donc il n'est pas simplement un élément, si tu veux, de ce grand tissu de toutes les praxis possibles et imaginables pour se constituer dans le monde. Il est, comme il le dit, critique de la praxis en tant que domination de la conservation brutale de soi à l'intérieur du statu quo. Donc critique, là la phrase est mal foutue ou mal traduite, il faut bien comprendre praxis en tant que ceci, cela. Ce n'est pas la critique qui est en tant que domination, hein. Mais c'est bien il critique les formes de la praxis qui sont domination de la conservation brutale de soi à l'intérieur d'un statu quo, c'est-à-dire d'une série de praxis largement instituées dans le monde du travail. Donc d'une certaine manière, ce qu'il dit, il se place au-delà, la praxis artistique se place au-delà à cet endroit de l'emprise du travail, c'est-à-dire des rapports de production matérialisés là pour le coup uniquement dans de la poésie, c'est-à-dire avec des chaînes de production qui visent la matérialité avec tout le tissu historique, tout le matériau historique qui construit la lutte des classes. Et pour en rendre compte, là, la praxis artistique propose un mode d'être, en quelque sorte, qui parvient à être un au-delà de cette situation. Promesse de bonheur signifie plus que le fait que, jusqu'à présent, la praxis empêche le bonheur. Le bonheur serait au-delà de la praxis. La force de la négativité contenue dans l'œuvre d'art donne la mesure de l'abîme qui sépare la praxis du bonheur. C'est-à-dire que l'art agit comme opération critique extrêmement large en tant que praxis des relations générales qu'on entretient entre sujet et objet, notamment en tant qu'on attend des objets de la satisfaction qui n'est jamais obtenue. C'est-à-dire une promesse de bonheur qui n'est jamais garantie, qui est toujours promise par la floraison des productions humaines qui ne viennent jamais satisfaire ce bonheur. Kafka n'éveille certainement pas la faculté de désirer. Mais la peur réelle, qui répond à des pièces en prose, comme La Métamorphose ou La Colonie pénitentiaire, le choc, l'aversion et la nausée qui secouent le corps ont, parce que ce sont des réactions de défense, plus à faire avec le désir qu'avec l'ancien désintéressement que lui et ses successeurs liquident. Que lui, Kafka et ses successeurs vont liquider ce désintéressement ancien, le désintéressement kantien, quoi. Le désintéressement serait grossièrement inadéquat à ses écrits. Il réduirait progressivement l'art à ce dont se moque Hegel, à ce jouet agréable ou utile de l'art poétique d'Horace. Bon, là encore, la condamnation du jouet agréable, il faut aussi la contextualiser. On peut imaginer, par exemple, que dans une société où tous les rapports de force ont un objectif guerrier, par exemple, l'idée d'un jouet utile et agréable, c'est au fond un objet critique. C'est au moins un objet critique des relations. Ce qui fait dire, par exemple, que une œuvre d'art n'a pas besoin d'exposer son programme marxiste pour faire trembler la certitude bourgeoise. Il lui suffit d'un certain nombre de soustractions aux éléments de base de la condition bourgeoise de la satisfaction pour remplir ce rôle. En gros, une œuvre d'art, pour être une œuvre politique, n'a pas besoin d'exposer un programme politique. La propagande du réalisme socialiste est un échec de ce point de vue-là. C'est une chose dont on parle très très souvent, Adorno, l'échec du réalisme socialiste.
Un jouet utile, agréable, c'est un vibromasseur. C'est toi qui dis ça, Suze? Ah bah merde alors. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Oui, c'est aussi un poème selon Horace, Suze. L'esthétique de l'époque idéaliste s'en est affranchie en même temps que l'art lui-même. L'expérience esthétique n'est autonome que lorsqu'elle se débarrasse du goût culinaire, c'est-à-dire d'une forme de satisfaction dont on pourrait dire qu'elle est normative, au fond. Alors c'est en train de changer, c'est-à-dire que l'argument utilisé ici par Adorno n'est plus tout à fait vrai. Il y a quelque chose de l'art culinaire qui change depuis une décennie ou deux, qui consiste à mettre à l'épreuve les relations de goût, papillaires, gustatifs, olfactifs, les mettre à l'épreuve de la violence aussi. On fait rentrer dans l'art culinaire le hideux, l'agressif, le trop piquant, le trop salé, l'amer, le brûlé, chose qu'on n'avait jamais fait jusque-là. C'est-à-dire que on a longtemps dit que la cuisine était un art, ce qui n'était pas vrai. Elle n'avait jamais pris le risque de l'être jusque-là. Mais depuis quelques années, ça devient vrai. C'est-à-dire qu'une force de négativité est en train de travailler l'art culinaire aujourd'hui. Elle est puissante et critique. Elle nous dit quelque chose, évidemment, sur les conditions normatives du goût et du jugement culinaire. Et elle change nos relations à l'appétit, au partage de la nourriture, à la représentation même de la satisfaction par l'alimentation. La coupure radicale entre se nourrir et manger n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Donc Adorno, dans les années 60, n'anticipait pas ce changement de paradigme. La voie qui y conduit passe par le désintéressement. L'émancipation de l'art vis-à-vis des produits culinaires ou de la pornographie est irrévocable, mais elle ne s'intéresse pas au désintéressement. Là encore, la notion de la pornographie vue par Adorno, je crois que là on est dans un réflexe, probablement un réflexe puritain, assez fréquent chez les marxistes, mais il y aurait beaucoup à redire sur l'espèce d'évidence de cette coupure. Celui-ci reproduit de façon immanente, en le modifiant, l'intérêt, donc de façon immanente en lui-même. Dans le monde faux, toute... Ah, le salgo, c'est encore du grec. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de lettres, on va essayer de les repérer. Il y a état, delta, ça c'est omicron, facile. Nous, et puis c'est un autre état. Donc voilà, état, donc, édoné. Édoné, bon, ça doit être édoniste, je pense, le radical pour édoniste. Tout édoné est fausse, donc toute jouissance, toute joie est fausse. Voilà. Pour l'amour du bonheur, on renonce au bonheur. Ainsi survit le désir dans l'art. Donc le désir opérant aussi, évidemment, dans l'art, par des relations puissantes à la question de la négativité. Devenue méconnaissable, la jouissance est masquée dans le désintéressement kantien. Ce que la conscience universelle et une esthétique complaisante se représentent sur le modèle de la jouissance réelle par jouissance artistique n'existe vraisemblablement pas du tout. Le sujet empirique ne participe que d'une manière limitée et déformée à l'expérience artistique telle qu'elle. Cette part diminue sans doute au fur et à mesure que l'œuvre acquiert une plus grande qualité. Donc il suppose que plus la qualité de l'œuvre est grande, plus elle se soustrairait à l'expérience artistique, enfin la jouissance artistique telle qu'elle. Là encore, c'est quelque chose qui est difficile à établir parce que ça laisse supposer que, d'une part, il y a un état général du rapport au désir et à la satisfaction qui est quand même universellement partagé et qui ferait qu'une œuvre pourrait être dépositrice ou pas en elle-même de sa capacité à se soustraire à la jouissance ou pas. Ce dont je doute complètement. Même sur la base de malentendus. C'est-à-dire que la question du plaisir, et notamment dans le contemporain, passe de moins en moins par la question d'une spécialisation de la capacité à juger de la qualité d'une œuvre. Et en plus, je crois qu'on a plus ou moins admis que ce n'était pas exclusif aujourd'hui. Qu'on pouvait tout à fait s'abandonner à l'ivresse de l'inconnu d'une œuvre dont on n'a pas les moyens de mesurer jusque-là sa qualité, pour telle ou telle raison, parfois analogique, donc parfois oui, des raccourcis existentiels à la con, mais pourquoi pas, on s'en fout. Ce qui ne
permet pas d'imaginer que ça suppose un abandon des autres conditions d'appréciation. Ça peut en être les prémices. Ça peut être l'ouverture à cette condition. La surprise et la violence n'est pas forcément le statut superposable d'une expérience à son rejet, en fait. C'est tout à fait quelque chose qui peut être consubstantiel. Alors, en fait, je crois que je ne sais même pas définir art, lol, vu ce que tu dis sur la cuisine. On a beaucoup parlé hein, de la définition art, hein, notamment parce que art se soustrait à la définition. Je reviens souvent sur cette assertion que je te la donne, t'en fais ce que tu veux pour l'instant, mais que pour exister en tant que tel, l'art a besoin d'être conservateur de sa catégorie et révolutionnaire de sa définition. Parce que pour être révolutionnaire de sa définition, il faut que cette définition s'exerce dans la catégorie maintenue art. À partir de là, il y a toute une chaîne de propositions historiques qui vont statuer, au fond, sur les relations entretenues avec ces conditions d'apparition et la longue série des objets dans lesquels on va construire une historicité du concept art. Sachant que, à chaque fois, on produit du théorique parce que, évidemment, on fait péter les coutures du sens. On n'arrête pas, évidemment, de faire rentrer au chausse-pied des conditions nouvelles d'appréciation des objets pour faire rentrer ou sortir ces objets dans le champ art. Ils y rentrent plus facilement qu'ils en sortent, mais aussi, parfois, ils en sortent. C'est intéressant de savoir pourquoi ils y rentrent, c'est aussi également intéressant de savoir pourquoi ils en sortent. Ils peuvent y rentrer pour des raisons nauséabondes. Ils peuvent y rentrer pour des raisons coloniales, par exemple. Faire rentrer des objets dans la catégorie art sous le prétexte qu'ils correspondent vaguement aux conditions dans lesquelles on produit des objets localement, ça permet de ne pas se questionner sur leur statut anthropologique distant. De dire, bon, c'est de l'art. Et si ce n'était pas la question? Alors, on serait obligé de remettre en cause considérablement notre propre relation aux objets. Donc là, on fait rentrer dans la catégorie de cette façon-là. Des fois, c'est le pop. C'est-à-dire le caractère jusque-là désavoué, considéré comme volkisch d'une série de productions, qui va rentrer par des portes inattendues dans la catégorie art, parce qu'ils vont simplement la problématiser. Ils vont continuer à la rendre plus complexe. Et ça devient quelque chose qui appartiendra à cette fameuse redéfinition du champ. La catégorie va être maintenue, mais une fois de plus, ces bords, ces contours, qui sont fluides en fait, qui sont poreux, qui sont des membranes extrêmement ductiles, eh bien ils auront bougé. Ça bouge par les actions, par les praxis, mais aussi par les poésies, ça bouge par les objets, et ça bouge par les discours, ça bouge aussi par les théories. Et évidemment, tout ça est pris dans le matériau dont on parlait, donc dans le tissu de la totalité des interactions sociales dans lesquelles ces choses apparaissent. Celui qui jouit concrètement des œuvres d'art est un béotien. Voilà ce que dit Adorno. Il se trahit lorsqu'il emploie une expression comme « régal pour l'oreille ». Ce qu'il veut dire, ça a l'air très violent et très, surplombant et élitiste. Bon, ça ne veut pas dire qu'Adorno ne le soit pas. Il peut vraiment avoir des saillies de ce genre un peu casse-couille, ça lui arrive. Il peut se vautrer sur l'appréciation de choses. On sait, on lui reproche beaucoup de s'être largement vautré sur le jazz. Adorno a mal compris pourquoi il était autant chahuté par les élèves à la fin de sa vie, pourquoi on ne le comprenait plus, pourquoi il ne comprenait pas les élèves en vérité. Mais ce qu'il nous dit là, c'est que quand on n'a pas d'autre mode de satisfaction pour l'œuvre que d'un déplacement analogique par un autre type de satisfaction, en gros, quand on emploie le vocabulaire culinaire « régal pour l'oreille » pour parler de l'appréciation d'un morceau de musique, c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens de pénétrer le champ dans lequel cette musique était appréciable. Le champ propre, c'est-à-dire la singularité, en fait. Tout ça, évidemment, c'est des questions qui sont liées au statut singulier des œuvres d'art. Quand il en parle en tant que praxis, il en parle aussi en tant que praxis distincte. Il essaye de faire valoir pas seulement sa distinction à l'intérieur d'un corpus de praxis, mais aussi une praxis dont il dit qu'elle est un au-delà du monde du travail. Et c'est, pourquoi c'est important? Parce que, pourquoi il s'intéresse tellement à l'art contestataire et révolutionnaire? Et pourquoi il pose toujours la question de la révolution artistique en des termes comme ça?
Et pourquoi il fustige tellement le réalisme socialiste? Parce qu'il pense que dans les intentions, les mouvements révolutionnaires commettent rigoureusement les mêmes erreurs que la réaction. Parce que les mouvements révolutionnaires, à ce moment-là, quand ils produisent comme ça des œuvres subordonnées à la question du dire, eh ben, ces mouvements considèrent comme irréductibles les antagonismes et l'opposition entre art moderne et tradition à ce moment-là, entre conformisme et progressisme. Et donc, ils renforcent analytiquement les intégrations des œuvres à l'intérieur de cette composition. Ils ne la font pas sauter, tu vois? Ça reste un extrait extrêmement pédant. Ben, il y a une hauteur de chez Adorno qui peut être casse-couille. Ouais. C'est jamais justifié de péter dentisme. Il n'a rien fait, le pauvre. Salut, Sandwich. Quelle belle entrée en matière. Comment vas-tu? Mais si on extirpait toute trace de jouissance, la question de savoir pourquoi les œuvres d'art sont là plongerait dans l'embarras. En fait, plus on comprend les œuvres d'art, moins on en jouit. Alors moi, je pense que c'est pas vrai, hein, mais bon. Je pense que c'est le contraire. En fait. Mais parce que je pense que le concept est une source de jouissance. La question des formes est toujours là posée comme une espèce d'extériorité terminale qui viendrait capturer quelque chose. Mais là, d'une certaine manière, dans la phrase d'Adorno, il y a un maintien de cette catégorie. Parce que la question de la jouissance, elle n'est pas extérieure à la question du concept. Il y a une forme de concept dont il faudrait à un certain moment parler. Je ne sais pas de provoquer une hypostasie, je ne sais pas de créer un être de chair dans le concept, mais de bien de faire comprendre qu'il y a dans le polissage de l'idée, du concept, il y a des attitudes esthétiques, il y a des constructions esthétiques. Il y a de l'esthétique dans le code. N'importe quel codeur, c'est ça. Donc la question de la jouissance, elle est extensible, je dirais, largement au-delà de toutes les relations de la compréhension. La compréhension est un acte de jouissance, c'est une ivresse aussi. Même l'attitude traditionnelle à l'égard de l'œuvre d'art, à supposer qu'elles doivent être pour cette œuvre très importante, était plutôt celle de l'admiration. Le fait que les œuvres sont en soi ce qu'elles sont, et non pour celui qui les contemple. Alors là, évidemment, la question de l'admiration, elle est complexe, puisque vous vous doutez bien que ce sur quoi elle statue, en grande partie, c'est sur l'intimidation sociale. L'intimidation générique, déjà, c'est-à-dire que le genre art, voilà, la catégorie art est une catégorie intimidante, a priori. Elle est intimidante à la fois socialement, c'est-à-dire le spectre dans lequel elle s'insère dans une société, et elle est historiquement, parce qu'évidemment, on a basé une grande partie de l'appréciation des constructions civilisationnelles sur l'aptitude de celles-ci à produire des œuvres d'art. Donc à partir de là, cette catégorie, elle est intimidante. Et l'admiration fonctionne beaucoup sur cette intimidation. Ce qu'elle lui révélait et ce par quoi elle l'émerveillait, c'était leur vérité telle que dans les œuvres du type kafkaïen, elle éclipse tous les autres aspects. Les œuvres de Kafka ne furent pas un moyen de jouissance d'un ordre supérieur. J'aurais tendance à penser si, mais bon, on va voir où il va avec ça. Le rapport à l'art ne consistait pas à s'incorporer la chose. Au contraire, c'était le contemplateur qui disparaissait en elle. Excuse-moi, je prends un petit temps pour réfléchir. Alors, la question de la distance est mal posée à cet endroit-là. Parce qu'en fait, il me semble que ce que Adorno nous dit, c'est qu'il y a quand même une partition assez claire entre sujet et objet à cet endroit-là. Ce que je ne crois pas, pour ma part. Je partage avec Didier Huberman la certitude qu'une œuvre d'art est un lieu. Et en tant que lieu, elle compose une situation et une relation. En tout cas, une situation et un jeu complexe de relations. Il n'y a pas d'extériorité du contemplateur. Et il n'y a pas non plus intégration et abandon et ivresse du contemplateur dans l'œuvre. Il y a un jeu subtil de maintien de la position différente qui fait que l'activité existe comme activité, sinon il n'y aurait plus d'activité, mais il y a une nécessité de bien penser cette réalisation fondamentale du lieu. Alors, toutes ces théories, ça a quand même vachement la tête de pourquoi est-ce que j'aime bien et j'ai bien raison de l'aimer bien. Oui, mais c'est important, je pense. Ce n'est pas intéressant parce qu'on l'aime bien. C'est intéressant parce qu'on se trouve confronté à des choses qui se présentent dans un cadre. Ces choses appelées œuvres d'art.
Nous acceptons de nous abandonner à elle, d'une part par le jeu de l'intimidation, mais aussi parce que nous savons d'expérience que par elle, nous pouvons conduire nos vies à des expériences d'un autre ordre que celles des autres praxis, c'est-à-dire des relations d'intérêt, de construction d'objets très simples, etc. Il va se passer potentiellement quelque chose. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais il peut se passer quelque chose. Ce quelque chose, on a bien raison d'aller le chercher. Quelque chose qui transforme radicalement la vie. Ma propre existence a été changée essentiellement par des relations à des œuvres d'art. Les choses les plus bouleversantes qui me soient arrivées, il y en a beaucoup qui me sont arrivées sur le plan amical, amoureux, existentiel, mais les choses les plus profondes et celles qui m'ont le plus profondément transformé, c'est dans la compagnie des œuvres d'art. Et j'ai bien raison de me poser la question, mais pourquoi j'aime ces choses? Qu'est-ce qu'elles ont de si puissant que d'autres choses n'ont pas? Tu vois? Donc c'est moins la question de savoir si on a bon goût ou mauvais goût, que de savoir quelles sont les conditions favorables à cet événement renversant, et est-ce qu'il y a un plan rationnel dans lequel ce renversement peut être plus ou moins mieux promis? Existe-t-il? C'est bien de se poser la question. Sur ce, je vais me servir une petite chicorée. C'est le cas à plus forte raison des œuvres modernes, qui arrivent sur le spectateur comme le font parfois les locomotives au cinéma. Donc il veut dire avec une grande violence et une épouvantable évidence. Sans précaution. Demande-t-on à un musicien si la musique lui procure de la joie, il préférera plutôt répondre comme dans la plaisanterie américaine du violoncelliste qui grimaçait sous la direction de Toscanini, « I just hate music ». Alors là, je suis très étonné de lire sous la plume ou le clavier, je sais pas avec quoi il écrivait, d'Adorno, une remarque quand même un petit peu chrétienne. Quoi. Il faut en chier pour faire les choses bien. Ce qui faisait si bien jouer ce violoncelliste, c'est parce qu'il haïssait la musique. Il n'était pas dans une relation d'intérêt, juste c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas ne pas jouer cette musique. La musique comme chose, comme condition de vie, le débordait complètement. C'est pas obligé que ce soit douloureux. Mais j'entends ça. J'entends que c'est pas un rapport d'intérêt. En tout cas, dans la production des œuvres d'art, enfin, je vous parle évidemment de mon point de vue, parce que j'ai pas tellement... je parle avec d'autres artistes assez régulièrement, donc quand même, c'est des choses qui se discutent entre nous. Hein. La question de la souffrance revient tout le temps. À savoir que, bon, déjà, si on te pose la question de ce que c'est qu'une œuvre d'art, Chauvelin, je peux au moins te dire une chose, elle s'impose à son auteur ou son autrice. Si elle ne s'impose pas, on est en train de parler d'autre chose, c'est juste un passe-temps. Vous ne pouvez pas ne pas la faire. C'est ne pas la faire serait abandonner votre vie même. Et quel que soit le prix que ça vous coûte, même si c'est la solitude sociale qui vous est promise, ça n'a aucune espèce d'importance. Il faut faire cette chose. Voilà. Là, on peut dire qu'il se passe quelque chose qui n'est plus dans une relation de la forme de l'intérêt et de la satisfaction. Et il y a un intérêt qui est crucial, c'est sauver sa peau. Mais pour autant, ça peut se faire à un prix extrêmement coûteux. Et entre artistes, c'est une chose dont on parle souvent. Cette espèce de contradiction étonnante entre l'évidence que c'est bien ça qu'il faut que nous fassions de notre vie et la douleur continue, ça présente parfois de le faire. Alors, il y a plein de moments de joie, hein, pas présenter quand même la pratique de l'art comme une espèce de souffrance permanente. Mais il faut prendre en considération que c'est pas ça le problème. Si c'est agréable, c'est la petite chose en plus, tant mieux. On peut dire ce jour-là, ça s'est bien passé. Mais c'est pas le but, c'est pas le télos. C'est souvent comme ça, certains débats entre fans d'art, quand ça utilise ces arguments de philo, de l'art pour défendre leur goût. Alors la philo ne sert pas à défendre ses goûts, hein, Meller-Minias. Elle sert à essayer de comprendre pourquoi on entretient ce type de relation avec ce type de choses. On peut utiliser d'autres arguments après pour faire valoir la supériorité d'une œuvre sur d'autres. Il faudra à chaque fois un contexte pour en parler. Et voir aussi qu'est-ce qu'on attend des œuvres d'art. Et là, on pourra commencer à discuter de la question d'une éventuelle supériorité de telle œuvre sur telle autre. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on attend des cadres de renversement qu'elle peut proposer? Quel travail de négativité elle fait contre le confort, contre l'évidence, contre la normativité? La normativité, des fois, elle peut être révolutionnaire. Je veux dire par là, ça peut être une vieille révolution normique.
écouter une musique qui a été absolument révolutionnaire dans les années 70 et qui est désormais congelée, c'est juste caresser un vieux gris-gris inoffensif qui n'a plus cours. Car cette révolte, elle avait une histoire. Elle était prise à ce moment-là dans l'histoire et dans son cadre. Et aujourd'hui, son pouvoir de révolte et de renversement est nul. À partir de là, on est en droit de se questionner si il est censé de poursuivre une forme quand, vidé de toute la substance qui l'a fait exister et arriver au monde, on la maintient comme activité. C'est une question importante. Alors, ça veut dire que nos zines, c'est pas de l'art. Qu'est-ce qui te laisse dire ça, Rafa? On peut pas dire nos zines, voyons nos zines, regardons nos zines, voyons ce que nous en faisons. Alors, Azaghal nous dit, la philo peut parfois permettre de comprendre qu'on ne fait pas toujours des expériences du même type, alors qu'on utilise les mêmes mots pour en parler dans la vie courante. Bah, surtout quand on parle d'art. Hein. Merci pour le follow, Maurice Adanapi, merci et bienvenue à bord. Oui, tu as raison. C'est une des difficultés majeures que nous pose le vocabulaire. C'est quand il n'est pas questionné, surtout un vocabulaire aussi général et aussi aussi transformant et transformé que le vocabulaire artistique, on a toutes les chances, si on ne prend pas un petit peu de temps pour en causer, de savoir de quoi on est en train de parler. David Lynch a fait foirer son mariage car il devait tourner Eraserhead. Ça s'est imposé à lui. Tu as fait une remarque qui n'était pas une connerie. L'agréable arrive de surcroît, comme les lacaniens disent de la guérison. C'est tout à fait ça. C'est très juste, Suze. Effectivement, c'est une remarque très juste. C'est de surcroît. Celui qui entretient avec l'art un rapport aussi authentique, donc que notre musicien qui grimace en jouant sous la direction de Toscanini, dans lequel il disparaît lui-même, ne considère plus l'art comme un objet. La privation de l'art lui serait insupportable. Ces manifestations particulières ne constitue pas pour lui une source de plaisir. Admettons l'idée que ce n'est pas une condition. On est d'accord là-dessus. Hein. Ce serait une erreur ridicule et romantique d'imaginer que c'est une condition. Mais c'est important de l'exclure comme lié étroitement. D'exclure la question de la satisfaction. C'est important de l'exclure de la production des œuvres. C'est possible ou pas, mais ce n'est pas le problème. En tout cas, ce n'est pas là que ça se joue. Il est incontestable, comme disent les bourgeois, que personne ne s'adonnerait à l'art s'il n'en tirait rien. On n'en tire pas tous et toutes les mêmes choses. Mais c'est pourtant pas vrai au point d'en tirer un bilan du genre « Aujourd'hui, j'ai entendu la 9e symphonie et j'y ai pris telle somme de plaisir. » Une telle stupidité s'est pourtant instituée en bon sens. Le bourgeois désire que l'art soit voluptueux et la vie ascétique. Le contraire serait préférable. Alors lui, pour lui, il préférait que l'art soit ascétique et la vie voluptueuse. D'un autre côté, effectivement, si la vie est voluptueuse, souffrons que l'art soit ascétique. Ah ben, Rafa, tu dois te poser la question. Si effectivement, ça, c'est pas irrésistible et si c'est pas une condition de vie, oui, tu dois effectivement te poser cette question. Mais je vais te laisser seul de la poser. Je ne peux pas y répondre à ta place. La conscience réifiée, donc transformée en chose, matérialisée, restitue sous forme d'ersatz ce dont elle prive les hommes en immédiatement sensible, ce qui n'a pas sa place dans sa sphère. La conscience réifiée restitue sous forme d'ersatz ce dont elle prive les hommes en immédiateté sensible, ce qui n'a pas sa place dans sa sphère. Donc cette conscience réifiée, j'imagine que c'est ce fameux bon sens, prive les hommes d'immédiateté sensible en le restituant sous forme d'ersatz. Moi, j'avoue que là, cette phrase, si quelqu'un la comprend bien, qu'il me la dise. Alors qu'apparemment, l'œuvre d'art se rapproche du consommateur par son attrait sensuel, elle lui devient étrangère et aliénée. Alors là, on comprend bien que ce dont il parle, c'est évidemment le mirage de la marchandise. Avec la promesse impossible à tenir. Impossible à tenir parce que, évidemment, le mode de satisfaction, c'est celui du déjà connu et donc du déjà décevant. Marchandise qui lui appartient et qu'il craint sans cesse de perdre. On peut dire qu'il l'a depuis toujours perdu dans ce cadre. J'y ai pris 2,35 g de plaisir et 36% de matière esthétique grasse. La fausse relation à l'art est étroitement liée à la peur de perdre son bien. Alors là, on a un truc intéressant. C'est que s'il part de cette condition ascétique, ce qui n'est pas inintéressant, donc on va voir à quoi la CS nous mène comme possibilité de mieux penser leur relation à la jouissance.
quand celle-ci n'est que la satisfaction d'un appétit marchandisé. C'est qu'effectivement, le maintien de cette fausse relation à l'art, c'est-à-dire une relation complètement subordonnée à une forme de satisfaction inquestionnée et immédiate, pourquoi est-elle liée à la peur de perdre son bien? Parce que, évidemment, si ce bien, c'est les rapports de volupté, perdre ce rapport de volupté, c'est faire l'épreuve des difficultés, probablement ascétiques, auxquelles vous convoquent les relations aux œuvres, qu'il s'agisse de les faire ou de les aimer. Alors Mélior Mignaz dit, c'est aussi les passions, comme centre d'intérêt irrépressible parfois qui peuvent s'imposer à nous, comme pour l'art, ce qui donne du sens à notre vie. Ben oui, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on s'échappe au poids de la réalité matérielle. En vérité, on oublie de les placer comme réalité matérielle. On les en exclut comme si c'était une espèce d'aléa vaguement distant, flottant au-dessus de la question du monde, alors qu'ils sont consubstantiels à la question de la réalité matérielle. Parce que c'est précisément lié à la praxis. C'est lié complètement à l'action et au mode d'agir. La représentation fétichiste du bien exploitable dans l'économie psychologique, donc on comprend bien que le psychologisme, là, c'est les relations sensuelles du type « ça me fait du bien »,« ah ouais, c'est, je me retrouve dans ce truc-là »,« ça me parle complètement », enfin, toute cette espèce de construction de soi sur soi, finalement, d'égotisme fondamental de la relation à l'objet. Ne réveillez pas l'eau qui dorne. Qui dorne. Adorno, oh non, glisse, au secours. Il le redit autrement, il dit « La représentation fétichiste du bien exploitable dans l'économie psychologique correspond étroitement à la représentation fétichiste de l'œuvre d'art comme propriété accessible, mais susceptible d'être détruite par la réflexion. » Et là, on en revient à ce que questionnait Chauve tout à l'heure, Chauve et Lâche. On aurait trop peur de détruire, merci pour ton follow, Zépose Trump, on aurait trop peur finalement de détruire quelque chose de la relation qu'on a tant aimée, spontanée et légère avec une œuvre, si d'un seul coup, on s'abandonnait au péril un peu plus ascétique de la réflexion. Mais c'est là que Adorno fait fausse route, en supposant qu'on n'en jouirait pas. Je pense qu'on en jouira plus. Comment ça, la négation du beau jeu de mots sur cette chaîne est lamentable? Tu trouves ça drôle, toi? Ne réveillez pas l'eau qui dorme. C'est consternant, non? Franchement. Tu salues un truc pareil. Enfin, quelle complaisance, hein. Si on admet que l'art, d'après son propre concept, est un devenu, son classement parmi les moyens de jouissance appartient tout autant au passé. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on revient exactement à la condition préalable que je vous annonçais tout à l'heure, dans la nécessité, tout en maintenant la catégorie, de révolutionner la définition. Je suis juste à la page 32 sur 500, Maurice Anadabi. Et on a fait 4 lives de 4 heures. C'est effrayant. Donc effectivement, dire que c'est un devenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serions des dépositaires tous ensemble, par les vertus d'un jeu social de la satisfaction, d'un état de l'art inscrit au moins pour la même éternité que celle que proposait notre pote Kant, qui n'est pas vraiment notre pote, à vrai dire. Évidemment que tout ça n'a aucun sens. Ce devenu, comme il le dit, classe instantanément celle-ci dans le passé. Et tous les moyens pour en jouir également dans le passé. Par rapport à ce que je disais, des œuvres de révolution née dans un contexte qu'on ne peut pas maintenir en vie si le contexte n'est plus là. Donc c'est pas en rejouant du punk jusqu'à la fin de ses jours qu'on va continuer à faire exister quelque chose qui peut se jouer dans les années 70. Il faut bien comprendre tout ce que ça veut dire par rapport à la relation de transformation de ce cadre et du cadre de votre plaisir aussi. Parce que moi, pour le coup, je ne veux pas congédier la jouissance de la question intellectuelle. Ça n'a pas de sens pour moi, vraiment pas. Penser, ça fait jouir. Voilà. Si vous ne jouissez pas en pensant, bah, pensez pas, faites autre chose. Faut pas le faire. Il est certain que les formes primitives des œuvres d'art magiques et animistes furent les éléments d'une pratique rituelle en deçà de leur autonomie. Effectivement, c'est des œuvres dont l'autonomie n'est pas à trouver. Mais c'est ce statut qu'il faudrait discuter.
J'ai lu avec vous un petit peu comment Pergnola. Oui, mais c'est la question de la nature de cette jouissance dont on parle, Suze, depuis un moment, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle transforme, et de sa puissance. Donc, voilà. Oui, ça fait jouir aussi de bouffer un bonbon Haribo, mais on peut questionner l'intérêt de faire ça toute la journée. Pergnola disait cette chose très très juste. Il disait un dessin magique est beaucoup plus proche d'une danse magique que d'un dessin de Dürer. C'est pas parce qu'il y a des assonances texturelles par lesquelles nous capturons tel ou tel objet dans notre conception du monde qu'il faut effectivement les y enfermer. En vérité, un minimum de générosité nous pousserait, si elles ont des autonomies, à trouver des autonomies locales dans des cadres où ces œuvres et ces choses s'exercent. Peut-être pas en les capturant dans notre catégorie invraisemblable art, justement. C'est pas comme si c'était un cadeau qu'on leur fait. C'est peut-être exactement le contraire. Alors, il se réfère à la musique aussi, Théodore. Énormément, c'est sa spécialité, Adam Appsi. C'est avant tout un musicologue. Il a beaucoup écrit sur Berg et Schoenberg. Il a écrit Théorie de la musique nouvelle. Donc, c'est un truc dont il parle beaucoup, effectivement. Mais c'est justement parce qu'elles étaient sacrées qu'il était impossible d'en jouir. Bon, là-dessus, il ne se trompe pas. Quoique, je dirais... Bon, moi, je ne vais pas penser à l'intérieur de sociétés autres que la mienne, je ne sais pas faire ça. Mais dans notre société, un objet peut être tout entier capturé par un mode d'acclimatation à une situation précise, avec des effets quelconques, on s'en fout, hein, quel est son devenir fonctionnel. Ça ne le soustrait pas à l'expérience d'en jouir, c'est-à-dire... L'expérience d'en jouir, elle peut aussi venir de la capacité spontanée à le déplacer hors de sa sphère d'action. Toute l'histoire de... Il y a un aspect de l'histoire du ready-made qui repose là-dessus, mais toute l'histoire des relations qu'on entretient, qui sont assez subtiles finalement, avec l'inclusion à l'intérieur de la sphère de l'art dit savant, des objets dit pop qui jusque-là en étaient exclus, rejoue inlassablement la question de la fonctionnalité propre pour reconstruire des capacités extrinsèques de jouissance, c'est-à-dire une capacité à construire des cadres de relations nouveaux avec des objets qui ne sont pas épuisés par leur fonctionnement. La spiritualisation de l'art a aiguisé la rancune des exclus de la culture. Elle a favorisé ce genre qu'est l'art de consommation. Tandis qu'inversement, la répulsion que suscitait ce genre poussait les artistes à une spiritualisation de plus en plus radicale. Alors, tout ça, hein, ce qu'il dit, est assez fou, en fait. Je pense que précisément les postulats théoriques de Arts and Crafts, de Maurice et ses potes, c'était précisément un refus de cette partition-là. Et pour le malheur de Adorno, il écrit ça en plein moment, donc années 60, de l'explosion entre l'Angleterre et les États-Unis de l'art pop, qui dit le contraire de tout ça. Et qui plus est, il fait fi de toutes les formes d'arrachement à la spiritualité à deux balles qu'on proposait des formes artistiques dans les années 50. Cobra est précisément un art de l'action, une espèce de praxis radicale qui ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense que là, Adorno, il fait son petit tri et il se met des œillères sur tout ce qui se passe à ce moment-là. Le rapport de Fluxus avec les objets et les actions n'est pas du tout de cet ordre-là. Donc à ce moment-là, dire que Adorno rate quelque chose de ce qui est en train de changer autour de lui. Et ce qui est drôle, c'est qu'il le rate dans ce qui est censé être son champ, c'est-à-dire dans la capacité précisément redéfinitionnelle, inlassablement, du champ de l'art par l'apparition des œuvres elles-mêmes et des pratiques elles-mêmes. Aucune statue grecque, dans sa nudité, n'était une pin-up. Sinon, il serait impossible d'expliquer la sympathie de l'art moderne pour le passé lointain et pour l'exotisme. Alors là, j'avoue que ça, je ne comprends pas pourquoi ce serait impossible de l'expliquer si on doit juste accepter l'idée qu'une statue grecque ne pouvait pas être finalement un objet pop pour ses contemporains. Un objet peut être plein de choses à la fois, sans contradiction, je dirais, et même, et surtout, un objet d'art.
Est-il vraiment nécessaire de congédier ce mode de satisfaction d'une statue de Phidias pour expliquer la sympathie de l'art moderne pour le passé lointain et pour l'exotisme? La question, elle est assez mal posée dans le sens où le goût pour le lointain, je dirais qu'il est apparent dans toute notre histoire de l'art. Pour l'étrangeté, pour l'altérité, pour le collage, en fait. Il ne faut pas croire que l'art médiéval est exempt de collage, que l'art grec est exempt de collage. Il y a des points de contamination visibles entre la Grèce antique et l'Inde qui sont vraiment de l'ordre de la fascination pour une extériorité pas forcément bien comprise, mais assez fascinante pour qu'on en jouisse. Le maintien des catégories complètement hors sol du fond d'or dans la peinture de comment. Ah, da Conegliano, c'est quoi son prénom? Merde! Cima. Cima da Conegliano, à un moment où plus personne ne fait ça, c'est une relation joueuse qu'il entretient avec le passé, avec une peinture qui a déjà plus d'un siècle. Bon, là, pour moi, cette question-là, elle est beaucoup trop rapidement posée pour que ça veuille vraiment dire quelque chose. Les artistes sont sensibles à l'abstraction des objets naturels considérés comme quelque chose de désirable. Oui, de fait, des objets naturels et des autres. C'est-à-dire que là, il est clair, quand on s'intéresse à l'art de la Renaissance, par exemple, que notamment à des peintres comme Le Pérugin ou le jeune Raphaël, enfin, que ce qui va intéresser les artistes dans ce qu'ils appellent la nature à ce moment-là, c'est qu'elle soit abstractisable. C'est pas d'en être les singes et les imitateurs. Du reste, Hegel, dans sa construction de l'art symbolique, n'a pas ignoré le moment non sensible de l'archaïsme. Ou alors là, on va laisser de côté Hegel et sa construction plus que foireuse, notamment pour l'art symbolique, qui doit apparaître, je crois, comme la première forme supposée par lui. Il y a donc cinq catégories d'art pour lui, qui repose sur une construction historique assez foireuse, quand même, dans laquelle il va placer les prémices de l'art en Égypte, à l'exclusion de tout le reste. Il s'en sort à chaque fois par des espèces de jeux extrêmement circulaires qui lui permettent de disqualifier du champ art tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il en a donné comme prémisse. Donc c'est assez simple de faire fonctionner ça comme ça. Et il le fait de façon tellement aberrante que ça n'a aucun sens. Par exemple, il fait reposer sa construction historique sur une lecture d'une espèce. C'est pas vraiment une chronologie, ou alors si c'est une chronologie, c'est une chronologie de l'esprit, tel qu'il est censé traverser à la fois l'histoire et la construction des subjectivités. Par exemple, c'est une évidence hegélienne que l'archaïsme égyptien est un art symbolique architectural. Voilà. Ça, moi, je n'ai pas de peine de le dire. Donc, après, on a affaire à l'art classique grec, qui est essentiellement sculptural. Donc, on saute d'un pays à un autre pour construire une espèce de chose d'esprit qui a l'air de se balader comme ça indifféremment à la surface de la planète. Donc, on en déduira que les Égyptiens ne branlent plus rien après. On en déduira aussi que les Égyptiens, c'est juste des architectes. Donc, évidemment, non. C'est des peintres prodigieux, c'est des sculpteurs. Et évidemment, il résume l'Égypte à la pyramide pour avoir quelque chose à dire des formes simples. Sauf que, évidemment, le temple d'Abou Simbel et plein d'autres choses sont tout sauf simples et ça marche plus du tout. Et en plus, la pyramide, c'est aussi un dedans. C'est pas qu'un dehors. Et il y a beaucoup à dire sur cette circulation entre le dedans et le dehors et ce qui s'y joue, effectivement. Donc, la vision hegélienne, elle est complètement pétée. Il fait des Grecs des sculpteurs. Très intéressant, enfin, quand on voit l'énergie que les Grecs ont mis à défendre hein, comme paradigme de l'art la peinture, par exemple, dont enfin, en tout cas, la place que les peintres prennent dans l'histoire que la Grèce antique se raconte d'elle-même et l'endroit où elle place ses peintres, de même pour la Rome antique, en faire juste des sculpteurs, bon, c'est pas des architectes, voilà. Tout ça est très con. Enfin, la généalogie hegélienne n'a absolument aucune espèce de sens, donc on va laisser ça où ça doit dormir, dans les poubelles de l'histoire. L'élément de plaisir en art, protestation contre le caractère universel et médiatisé de la marchandise, est à sa manière médiatisable. Celui qui s'immerge dans l'œuvre d'art est par là même dispensé de la misère d'une vie toujours insuffisante. Ce plaisir peut atteindre son paroxysme jusqu'à l'ivresse. Le concept mesquin de jouissance est inadéquate à l'ivresse.
Là, c'est vraiment une question de vocabulaire, là où il le place, quoi. C'est pas transparent non plus, quoi. Vous êtes d'accord qu'il y a un problème à cet endroit-là où on ne voit pas à moins d'accepter ce partage de façon assez arbitraire en quoi le concept mesquin de jouissance serait inadéquat à l'ivresse. Donc je pense qu'on va plutôt accepter l'idée qu'il y a un petit problème de satisfaction, de traduction, pardon, qu'il est en train de parler de satisfaction bourgeoise qui est inadéquate à l'ivresse. Et là, on comprend mieux ce qu'il veut dire. S'il s'agit de ça, donc de jouir d'un objet, mais au sens bourgeois de la consommation, finalement, de cet objet qui va venir remplir sa petite satisfaction, oui, effectivement, c'est inadéquat à l'ivresse, parce que l'ivresse est coûteuse. Le propre de l'image de l'ivresse, évidemment, c'est la perte de contrôle sur soi, l'abandon de soi à quelque chose de plus fort que soi. D'ailleurs, il serait plutôt de nature à vous dégoûter de la jouissance. En tout cas, il vous tient, cette satisfaction bourgeoise vous en tient à une certaine distance, hein, indéniablement. Il est du reste remarquable qu'une esthétique qui a toujours insisté sur la sensibilité subjective comme fondement de toute beauté n'ait jamais analysé sérieusement cette sensation. Ces descriptions furent presque inéluctablement celles de béotiens, donc de gens mal éduqués, relous, qui ne comprennent rien à rien, des bourgeois stupides et ignorants, en gros. Peut-être parce que le seul point de départ subjectif est avant tout aveugle au fait que c'est seulement dans le rapport à la chose qu'apparaît, à propos de l'expérience artistique, quelque chose de valable, et non pas dans la joie de l'amateur. C'est seulement dans le rapport à la chose qu'apparaît, à propos de l'expérience artistique, quelque chose de valable, et non pas dans la joie de l'amateur. C'est-à-dire, si je comprends bien, une capacité réflexive à interroger aussi l'expérience elle-même, comme rapport, comme tissu de relation noué avec la chose. Le concept des jouissances artistiques fut un faux compromis entre l'essence sociale de l'œuvre d'art et sa nature antithétique vis-à-vis de la société. Donc là, il revient sur l'idée que, fondamentalement, le caractère antithétique de l'œuvre d'art repose sur la nécessité d'y faire travailler des mécanismes révolutionnaires pour que l'art ait lieu comme constante critique. Et du fait que il y a quand même une essence sociale de l'œuvre, elle est problématique, donc ça c'est un truc dont on a beaucoup causé en lisant Pergnola, ce va-et-vient, qui est effectivement un va-et-vient conditionnel à la possibilité que les œuvres apparaissent. Et pour lui, finalement, placer au milieu de la société toutes les conditions d'une espèce de bavardage sensuel sur la satisfaction immédiate, c'est l'illusion d'avoir résolu ce problème. D'une certaine manière, avec une notion d'art déjà instituée, de façon claire et appartenant à une sorte d'éternité, quoi. Si l'art n'entre pas déjà adéquatement dans le mécanisme de la conservation de soi, ce que la société bourgeoise ne lui a jamais tout à fait pardonné, il doit du moins subsister grâce à une valeur d'usage copiée sur le plaisir sensuel. Donc, les bourgeois ne pardonnent pas à l'art de ne pas rentrer dans le mécanisme de la conservation de soi, c'est-à-dire, finalement, de l'identité, du sentiment à lui-même prolongé dans l'expérience d'une société destinée surtout à se maintenir, hein, pour le bourgeois. On déforme ainsi l'une et l'autre, et en même temps un accomplissement physique que ne dispensent pas ses représentants esthétiques. On hypostasie le fait, donc on hypostasie, on transforme en chose, quoi, en substance. On hypostasie le fait que celui qui est incapable de différenciation sensuelle, qui ne peut distinguer un bel accord d'un accord sans éclat, des couleurs lumineuses de couleurs ternes, est difficilement apte à l'expérience artistique. Donc là, on revient sur la question du spécialiste, et qui est aussi une question sans solution, évidemment. Parce que on va se retrouver face à un paradoxe, évidemment. Est-ce que vous voyez venir ce paradoxe? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une petite idée du caractère paradoxal de la capacité de différenciation sensuelle entre un bel accord et un accord sans éclat, etc. Est-ce qu'il est anti-pop et anti-distinction? Alors, anti-pop, ça c'est clair. Mais pour la distinction, en tout cas, il la place à des endroits un peu particuliers. Mais si pour moi, mais c'est pas un contrôle surpris, c'est un questionnement. On est en train de postuler la notion de négativité et de renversement par rapport à la permanence supposée d'une espèce d'une essence sociale bourgeoise. Comment pourrait-on conserver
tous les caractères de l'appréciation qui fassent la différence si effectivement il y a renversement. Que nous dit Nietzsche dans Ecce Homo ? Dans l'ouverture à Ecce Homo, Nietzsche nous dit cette chose très simple. Il dit, imaginez que vous vouliez parler de choses neuves dont on n'ait jamais entendu parler. Vous allez devoir, pour ça, employer un langage neuf et des termes neufs. Évidemment, personne n'y comprendra rien, personne n'y verra rien. Et n'y voyant rien, on aura l'illusion de croire qu'il n'y a rien. Eh bien, on en est là. Si effectivement, l'œuvre apparaît comme effraction dans le tissu de la permanence, eh bien, elle apparaît avec ses conditions d'appréciation nouvelles. On pourrait dire ça très simplement, une œuvre d'art est le prisme optique de ce qu'elle est comme cadre d'effraction. L'œuvre est aussi le moyen de juger de l'œuvre à ce moment-là. Il y a toujours un moment de cette effraction, un moment de cette rupture, où il n'existe pas de spécialiste. Parce que tout simplement, cette chose n'existe pas encore. Alors évidemment, on peut se rattraper avec le matérialisme d'Adorno sur le fameux matériau. C'est là-dessus qu'il compte. Il compte sur le fameux matériau social, à savoir le substrat, dans lequel on va pouvoir trouver le tissu dialectique qui permettra de déceler ce que l'œuvre dialectise. Donc il suppose toujours que la façon d'arriver par effraction, elle est préparée d'une certaine manière par les conditions de la négativité. D'une négativité qui serait pas tout entière contenue dans le matériau, mais au moins préparée à en juger. Je trouve ça risqué, parce que ça marche pas toujours comme ça. Je sais bien qu'on est tous plus ou moins persuadés que les choses n'arrivent pas par hasard, que les œuvres ne viennent pas de rien, tatati, tatata. C'est faire fi de ce que sont les singularités qui s'y exercent, et du fait qu'une singularité, c'est pas une machine de cohérence. Hein, c'est pas parce qu'elle est prise dans des déterminismes sociaux que ses actions sont des déterminés sociaux. C'est pas du tout la même chose. Les relations de causalité et les conditions d'apparition sociale, c'est pas tout à fait la même chose. En gros, il s'invente des choses en art. Il faut vraiment s'en souvenir quand même. On peut pas rabattre complètement sur les déterminations historiques et donc une espèce de lecture de l'étiologie de l'art, la façon dont il apparaît. S'il y a poiesis, il y a des probabilités. Les choses peuvent bien être ou ne pas être, hein, c'est comme ça que ça se pose, la poiesis. Il y a un jeu de possibilités énorme, et elles ne sont pas toutes aussi arrimées à une lisibilité claire de leur inscription dans le matériau socio-historique. Toutefois, cette expérience reçoit, accrue, la différenciation sensuelle comme moyen de la structuration en soi, mais ne diffuse le plaisir que de manière fragmentaire. L'importance du plaisir dans l'art fut variable. Dans les périodes qui, comme la Renaissance, succédèrent à des époques ascétiques, il fut un moyen de libération et sensuel, tout comme dans l'impressionnisme, il correspondit à une réaction anti-victorienne. Bon, là, il y a une vieille antienne qu'on ne peut pas croire. Désolé, tonton Adorno, tu déconnes. D'abord, dire que il y a une période qui s'appellerait la Renaissance, qui serait facile à embrasser d'un seul regard, qui aurait une seule visée, une seule façon d'être et d'apparaître, ça n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Et en plus, la Renaissance, au fond, c'est assez long. Si on accepte de la faire commencer avec le Cimabue, c'est-à-dire la proto-Renaissance, et si on accepte de la faire finir avec l'efflorescence du maniérisme, ben, ça commence à faire pas mal de temps, quoi. On n'est pas loin de 2 siècles. Et il s'en passe des trucs. Et région après région, enfin, région à côté des régions, il se passe des choses complètement différentes. On peut y trouver de l'ascétisme radical, on peut y trouver de la joie, on peut y trouver toutes sortes de formes. Et la Renaissance, c'est pas que l'Italie. Et franchement, la Renaissance flamande, c'est pas la joie. Enfin, c'est pas l'expression d'une liberté sensuelle. C'est pas ça. La Renaissance allemande, pas trop non plus. Et la Renaissance française, c'est encore autre chose. Très spiritualisant, très intellectuel. Et puis dire la Renaissance française, en le disant moi-même, je me mords les lèvres en me disant non, Laurent, tu peux pas dire ça. Parce que j'ai plein de gens qui me viennent en tête, qui font des choses très différentes. Je superpose pas tous ces gens. Je leur reconnais des identités fortes. Je ne confonds pas Crivelli avec Vivarini, avec Gaudenzio Ferrari, avec Romanino. Enfin, tout ça, c'est des mondes, quoi. Donc, et dire que ça succède à une époque ascétique, c'est pareil. De quoi parle-t-il ?
Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il y a des déferlements d'images joyeuses et bordéliques au Moyen-Âge qui échappent complètement à ce qu'il décrit. Donc cette vieille antienne voudrait que les formes artistiques, pour exister sous leur forme, reposent essentiellement sur des jeux de va-et-vient et de contradictions solides entre le dernier état de l'art et un précédent état social. En oubliant, par exemple, que c'est moins sur l'état social que réagissent les artistes pendant longtemps que sur d'autres états qui sont effectivement sociaux en eux-mêmes, mais qui ne sont pas le tout de la société et qui ne sont pas les constructions politiques de cette société a fortiori. Ça peut être, comme c'est souvent le cas, une réaction à un plan philosophique de telle ou telle période, à un plan théologique de telle période, ou œuvre à œuvre, école à école, ils peuvent se répondre. Et puis ils ne se répondent pas forcément dans l'hostilité, ils peuvent se répondre dans la contre-proposition étonnante. L'école d'Est a fait rare, n'est pas la contradiction de l'école vénitienne. Mais elle joue un autre jeu, à la même période. Elle joue dans les marges de cette école, quelque chose d'autre, sans être dans un état de rupture et de fracture, mais c'est quelque chose de singulier, de propre, etc. Et quand on commence à s'intéresser à l'art dans les détails, ben, on ne voit que ça. Donc faire de l'impressionnisme une réaction anti-victorienne, là aussi, il faut voir plutôt que les impressionnistes répondent aussi à la peinture, à des théories picturales, à plein d'autres choses. Et on peut aussi garantir que parmi les nombreux peintres qui s'illustrent dans ce qu'on a appelé assez nuageusement la famille impressionniste, il y a plein de raisons de s'y adonner et qui font des œuvres complètement différentes, qui font des positions complètement différentes. Parfois, la tristesse de la créature traduisait un contenu métaphysique, tandis que l'attrait érotique imprégnait les formes. Cependant, si grande que soit la force qui pousse à ce moment à réapparaître, il garde néanmoins, lorsqu'il apparaît littéralement et intact dans l'art, quelque chose d'infantile. De quoi ce sensualisme, c'est ça? Il n'est absorbé que dans le souvenir et la nostalgie, jamais lorsqu'il est copié ou effet immédiat. Bon, là, on sent qu'il bricole quand même pour essayer de donner de la solidité à tout ça. L'allergie envers la sensibilité frustre finit par rejeter ces époques au cours desquelles le plaisir et la forme pouvaient encore communiquer très étroitement. De telles choses ont dû influer sur la désaffection à l'égard de l'impressionnisme. Et là encore, je pense qu'il y a une lecture vraiment rapide. Il ne me semble pas, moi, du tout, que la proposition lyrique de l'expressionnisme abstrait américain soit si éloignée de la proposition de Monet dans ses Nymphéas au stade terminal. En fait, c'est une lecture à la fois de l'impressionnisme et de sa modernité qui est quand même incroyablement cloisonnée et peu consciente au fond de ce avec quoi un artiste travaille, avec quoi un artiste quel qu'il soit peut décider de dialoguer. Hormis la possibilité de pénétrer le secret de l'atelier, vous avez guère de possibilités de savoir réellement ce que son travail dialectise, et souvent vous seriez extrêmement surpris de savoir que tel ou tel peintre, tel ou tel sculpteur, tel ou tel musicien a choisi pour dialoguer un truc qui semble ne pas du tout apparaître dans ses constructions terminales et qui est pourtant son interlocuteur historique privilégié. Donc il ne faut pas s'en tenir aux formes dernières. Pourtant, visiblement, Adorno voudrait nous tenir à l'écart de cette conclusion rapide, et c'est pourtant là qu'il est. Le moment de vérité dans l'hédonisme esthétique est renforcé par le fait qu'en art, les moyens ne s'épuisent pas d'une manière pure dans la fin. Oui, effectivement, ils y sont souvent présents, et ils sont parfois présents dialectiquement. Les moyens pour faire peuvent transparaître comme manière de nous dire quelque chose de se faire. On peut dire par exemple que c'est le cas du coup de pinceau de Franz Hals. La manière d'apparaître au même endroit du coup de brosse et du jeu de cheveux et de poils nous dit quelque chose de son rapport intellectuel et poétique à la fin et aux moyens. Dans la dialectique des fins et des moyens, ces derniers continuent d'affirmer une certaine autonomie, à vrai dire médiatisée. Grâce à la satisfaction sensible, l'apparition essentielle à l'œuvre d'art se replie sur elle-même. Selon le mot d'Alban Berg,
Le fait que les charnières ne soient pas visibles dans la charpente et que l'on ne sente pas la colle constitue une parcelle d'objectivité. Juste une parcelle. Nombreux sont les œuvres de Mozart où la délicatesse de l'expression évoque la douceur de la voix. C'est-à-dire, quand il dit la douceur de la délicatesse de l'expression, il parle bien d'écriture musicale. Hein, d'accord ? Sinon, on ne comprendrait rien à cette phrase. Donc, l'expression est écrite à cet endroit-là est consubstantielle pratiquement à ce qui va lui servir de support à cet endroit-là, c'est-à-dire la douceur de la voix. Quant au sensible, qui brille de tout son éclat dans les œuvres importantes, il se spiritualise lui-même, tout comme à l'inverse, le détail abstrait, aussi indifférent soit-il envers l'apparition, acquiert son éclat sensible grâce à l'esprit de l'œuvre. Sans là des lieux de passage. Il arrive que certaines œuvres d'art en soient complètement formées et articulées, tendent après coup vers la satisfaction sensible grâce à la structuration de leur langage formel. La dissonance, signe de tout art moderne, admet même dans ses équivalents optiques l'attrait du sensible, tout en le transfigurant en son contraire, en douleur. Là, on arrive effectivement à ce point d'intérêt, c'est-à-dire ce qui pourrait permettre de lire quelque chose de l'actualité de ces fameux effets dans le substrat historique, c'est qu'à chaque fois, il s'exerce devant quelque chose, contre quelque chose, autour de quelque chose, qui d'une certaine façon y est présent. Y est présent comme adversaire, y est présent comme citation contrariée, controversée, et donc on peut sentir contre quoi ces tensions s'exercent. Alors pourquoi dit-il que la dissonance est signe de tout art moderne dans les années 60 ? C'est parce qu'on pourrait dire que la dissonance, c'est le paradigme de la destruction de la satisfaction bourgeoise. C'est ce qui l'interdit d'une certaine manière. Faire dissonance, c'est produire une série d'effets et de structures qui repoussent, voire détruisent complètement les modes de consommation par la satisfaction immédiate et exigent de créer de nouvelles relations pour pouvoir poursuivre l'expérience avec l'œuvre. La dissonance, elle peut toucher à des aspects extrêmement variés de l'œuvre, des aspects même sociaux. Par exemple, faire jaillir un urinoir à un certain moment dans un lieu d'exposition, c'est une dissonance. C'est une dissonance, on pourrait dire, dans le jugement de goût sur la valeur supposée intrinsèque de ce qui est ressorti ou pas au domaine des objets aimables, au domaine des objets d'art, au domaine des matériaux nobles, par exemple. Donc la dissonance, ça peut être ça. La dissonance, évidemment, ça peut être la peinture criarde, agressive, violente, turbulente, infantile, de Cobra, enfin des peintres de Cobra, de Asgarion, de Corneille, de Karel Appel, etc. On voit par quoi la notion de dissonance est largement extensible au-delà de la question musicale. Archétype esthétique de l'ambivalence. Alors, archétype parce que en musique, c'est vraiment par là que ça va être porté les premiers coups, par le total harmonique de Wagner, enfin la décision à un certain moment de contrarier la tonalité, c'est-à-dire de contrarier au fond la petite histoire, parce que c'est ça la tonalité en musique. C'est vous produisez des circonstances d'attente d'un ton qui doit arriver à un certain moment au bout d'une construction. Avec sa logique interne, une logique historique, mais aussi une logique structurelle, vous l'attendez. Vous avez une petite histoire. Allez, évidemment, toute la construction wagnérienne et a fortiori le dodécaphonisme, vous travaillez contre ça. Vous travaillez contre cette attente. Et la dissonance, elle en est à la fois un moyen, mais elle est aussi tout simplement un effet qu'on pourrait dire collatéral. À partir du moment où vous travaillez avec des méthodes comme la méthode de dodécaphonique, vous allez vous attendre effectivement à produire de toute façon de la dissonance parce que votre cadre n'est plus celui de la tonalité pour écrire. Donc à ce moment-là, vous n'aurez pas la constance harmonique que vous attendiez parce qu'évidemment, plus rien de ce qui l'a préparé n'est présent.
La portée immense de la dissonance dans l'art moderne depuis Baudelaire et Tristan, véritable, donc Tristan, donc c'est le Wagner, hein, véritable invariant de l'art moderne, provient du fait que le jeu de force immanent de l'œuvre converge avec la réalité extérieure, dont la puissance exercée sur le sujet augmente parallèlement à l'autonomie de l'œuvre. La dissonance confère à l'œuvre d'art de l'intérieur ce que la sociologie vulgaire appelle son aliénation sociale. C'est-à-dire, à l'intérieur d'elle-même, elle porte l'œuvre par l'apparition de la dissonance, la forme de dialogue qu'elle entretient avec la société. Par là, elle s'y aliène au sens où apparaît à l'intérieur de cette espèce de construction, sinon dialectique, au moins dialogique, apparaît ce à quoi elle s'oppose, ce contre quoi elle se construit, ce par quoi elle fait irruption de façon violente à l'impréparé, si vous voulez. Mais l'impréparé, il ne peut pas apparaître n'importe où. Pour que l'impréparé existe, il faut évidemment qu'il y ait du préparé qui le rende perceptible comme tel, comme impréparé. Ah, il y a rupture. Il y a rupture des règles. D'un seul coup, nous avons cassé toutes nos attentes, notre belle entente, notre consensus social est démoli à cet endroit-là. Il est vrai qu'entre-temps, les œuvres d'art interdisent la suavité médiatisée par l'esprit, parce que trop ressemblante à la suavité vulgaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La suavité médiatisée par l'esprit, c'est que pour que soit conservé quelque chose de cette dissonance, alors toute cette médiatisation, c'est-à-dire toute cette production, tout le tour que va prendre le mode de faire, le mode d'action, doit sans cesse garder en lui une certaine distance avec la suavité, fût-elle produite par ces constructions nouvelles, parce qu'elle serait pratiquement indécelable de la suavité vulgaire. En gros, ce qu'il est en train de nous dire, la part d'irrecevabilité repose d'une certaine façon sur le sentiment du moche. On va dire ça comme ça. Sur le sentiment du disharmonieux. Le sentiment du « ça pique les yeux, ça fait mal aux oreilles ». L'évolution devrait conduire à un durcissement du tabou sensuel. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Si vous regardez l'histoire de l'art du XXe et XXIe siècle, ça n'est pas vrai. Non. On y revient sans cesse. Et surtout, je finis la phrase et puis je vous dirai ce que j'en pense. L'évolution devrait conduire à un durcissement du tabou sensuel, même s'il est parfois bien délicat de saisir ce que ce tabou doit à la loi formelle et ce qu'il doit tout simplement à une insuffisance de métier. Une petite pique d'Adorno à l'égard de la modernité la plus proche de lui. Il soupçonne une complaisance dans la dissonance qui n'est pas le produit d'un vrai travail d'artiste qui sait faire, comme son bon vieux pote Berg, mais des gens qui font juste du bruit parce qu'ils savent rien foutre. Il a peut-être dans le collimateur à cet endroit-là le jazz pour lequel il avait que du mépris, le pauvre. Moi j'ai horreur du jazz, mais j'ai de la considération pour ce qui s'y joue. J'en suis parfaitement conscient, c'est pas parce que j'en écoute pas que je suis sourd à ça. Et quand justement il va jusqu'au bout de cette expérience, quand ça devient, je sais pas, Steve Lacy, Coltrane ou Taylor, Cecil Taylor, bon, là je peux retendre l'oreille, ou Albert Taylor, je retends l'oreille, je reprends du plaisir, évidemment. Donc il y a aussi tout le terrain du préparé et l'impréparé dans les doctrines propres à elles-mêmes, leur lieu d'expansion. Il y a des historicités à écouter aussi pour ça. On peut être indifférent à un certain moment parce qu'on a construit ailleurs, je dirais, le champ de ses propres dissonances, mais aménager la possibilité d'une attente extérieure à votre champ construit d'un autre jaillissement de la dissonance. Alors, dissonance au sens, on est d'accord, qu'on vient de décrire. Et autre chose, bon, à part la petite pique de notre Adorno, il y a un problème. Qui ne voit pas, visiblement. C'est que les œuvres nous habituent, elles nous convainquent, elles nous amadouent, elles nous font abdiquer nos résistances à un certain moment. Ça se passe souvent comme ça. C'est pas rare qu'on commence par rencontrer une œuvre d'art musicale, plastique, la trouver dégueulasse, mais vraiment insupportable, hideuse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis comme elle vous a quand même choqué, on y retourne. Pourquoi c'est
qu'est-ce que c'est? Et puis on y revient. Ah quand même, quel droit de retour. Il en a fait d'autres. Waouh, mais c'est ignoble. Ah, c'est curieux ce qu'il fout là quand même. Mais pourquoi il fait ça? Puis on y revient, puis ça vous travaille. Puis tôt ou tard, c'est devenu un de vos artistes favoris. Voilà, ça arrive tout le temps des trucs pareils. Les œuvres peuvent avoir raison de vous, de votre résistance, de vos certitudes. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'elles installent? Bah, de la suavité, bordel. Une suavité nouvelle et inattendue. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, elles ne sont pas devenues mortes. Les suraigus atroces de Guy Reibel qui vous déchirent les tympans. Au bout d'un certain moment, vous pouvez les écouter. Vous pouvez les apprécier pour ce qu'ils sont, pour une épreuve différente du chant acoustique auquel vous étiez habitué. Et votre vie change, et votre rapport à la suavité change, comme il changera dans votre rapport au bruit, à l'organisation sonore, etc. etc. Ben ça, on doit en tenir compte. Il y a aussi une historicité de la suavité. C'est d'ailleurs l'une des questions qui surgissent dans les controverses esthétiques sans qu'elles soient très fécondes. Hein, donc, entre savoir-faire et puis, en gros, différence entre musique bruyante et musique bruitiste. Hein, ceux qui savent faire, puis ceux qui vraiment... Le tabou sensuel finit par interdire même le contraire de ce qui est plaisant, et qui se ressent encore dans sa négation spécifique, quoique d'une façon très lointaine. Pour cette forme de réaction, la dissonance se rapproche beaucoup trop de son contraire, la réconciliation. Non, mais sauf qu'on ne peut pas lutter contre la réconciliation, parce que, en fait, c'est comme ça que fonctionne aussi la construction du goût. Elle se fait rebelle à une apparence de l'humain, en réalité idéologie de l'unhumanité, et préfère adopter le parti de la conscience réifiée. La dissonance se fige en matériaux indifférents, c'est-à-dire en une nouvelle forme d'immédiateté, sans trace du souvenir de son origine, insensible et sans qualité. C'est là qu'effectivement on peut établir une différence importante, qui est liée à ce que je viens de vous raconter. Ça n'est pas la même chose, du tout, d'écouter la puissance des suraigus qui jaillissent dans la musique de Guy Reibel en 1972, dans sa musique électronique, ce qu'elle fait au chant de la musique à ce moment-là, bien que 1972 soit désormais une année très lointaine. C'est pas différent, si vous êtes un peu cultivé de musique baroque, que de bien entendre ce que fabrique ce fou furieux de Scarlatti. Les mauvais tours qu'il joue à la musique à ce moment-là. À la dissonance déjà. C'est pas du tout la même chose que de s'évertuer en 2023 sur votre synthétiseur à faire du Guy Reibel ou à composer à des menuets. C'est débile, vous n'allez pas faire ça. Si vous faites ça, ça n'a aucun foutu sens. Là, on est dans la relation qu'essaie d'établir dans le rapport à l'historicité de la suavité, peut-être Adorno. À savoir que oui, effectivement, la dissonance, elle fera partie du matériau, tôt ou tard. Elle construit l'histoire, nous nous construisons avec elle, il y a une histoire de la dissonance, et en gros, la dissonance, à un moment où elle n'est plus du tout dissonante. Et je ne vois pas quelle oreille ça peut choquer aujourd'hui d'écouter Stravinsky, à mon avis, aucune. Je suppose que non. Debussy, je serais surpris que ça vous fasse sauter au plafond. Je ne sais pas où vous en êtes de votre culture musicale, mais on peut partir du principe que Varèse ne va pas non plus vous faire grincer des dents. Mais Varèse n'est pas épuisé. Par contre, ça demande de vous un petit exercice mental. Vous devez, à ce moment-là, pour trouver quelque chose comme une jouissance intellectuelle, poétique, acoustique, sensuelle avec Varèse, reconstituer un endroit de votre psyché, de votre goût, de votre vie, une sorte d'entretien, mais qu'une chose du passé. Je peux faire ça, moi je passe ma vie dans les musées, la plupart des tableaux que je regarde, ils ont plus de 300-400 ans. C'est pas un problème, mais pour autant, il ne fait pas me mettre à repeindre la Sixtine, je ne suis pas débile. Donc voilà. Dans une société enfin où l'art n'a plus sa place, alors, je sais pas pourquoi il dit ça, et dont toute réaction à l'art est perturbée, celui-ci se scinde en propriété culturelle chosifiée et figée, oui, ce qui est vrai, et en accroissement de plaisir que le client récupère et qui n'a le plus souvent que peu de rapport avec l'objet. Bon, il n'y a aucune raison au monde de croire que l'art soit effectivement mort en 1962 ou 3, pas plus qu'il n'est mort en 2023. Hein. Tu crois que Varèse fait encore grincer beaucoup de dents, Clint? D'accord. Ok.
Ah oui, Glitch, oui, c'est vrai. On a parlé tout à l'heure de cette ahurie de Ducrot et de l'atonalisme. C'est une bonne idée de remettre ça. Je suis désolé, hein, je fais pas beaucoup attention au chat, faut pas m'en vouloir. Je vous lis du mieux que je peux, hein, mais comme j'essaie quand même de vous décortiquer un peu ce bordel, hein, pour que ça tienne debout. Le plaisir subjectif que l'on prend à l'œuvre d'art se rapprocherait non pas de la réalité empirique, mais de ce qui échappe à l'empirie comme totalité de l'être pour autrui. C'est ce que Schopenhauer fut sans doute le premier à remarquer. Le bonheur que procurent les œuvres d'art est celui d'avoir brusquement échappé au péril, et non un fragment de ce à quoi l'art a échappé. Donc cette fameuse réalité empirique, ce qui échappe à l'empirie comme totalité de l'être pour autrui. D'un seul coup, d'une certaine façon, vous avez échappé à votre disparition totale. Un instant, dans la totalité. Il n'est toujours qu'accidentel et moins essentiel pour l'art que le bonheur de sa connaissance. Alors, là, on entend bien évidemment qu'Adorno, hein, il s'oppose très, très impradonnable. J'ai dit impradonnable ? J'ai vraiment dit ça ? Il s'oppose très clairement, hein, à Kant, hein, par tous les bouts qu'on prenne ce texte. Hein. Le concept de jouissance artistique comme concept constitutif doit être éliminé. D'après Hegel, si un élément contingent, le plus souvent la projection psychologique, s'associe à tout sentiment de l'objet esthétique, il exige de la part du contemplateur une connaissance, et même une connaissance impartiale. Oui, enfin, bon, d'après Hegel, l'œuvre n'est aussi que le véhicule de la construction généalogique de l'esprit, donc on n'est pas sorti du sable quand même. Hein. On pourrait objecter à l'hédonisme esthétique ce passage de la doctrine kantienne. Alors, tu parlais de Debussy, j'aime beaucoup, perso. Oui, il y a chez lui des fulgurances constantes. C'est vrai que on le voit, je crois, aujourd'hui beaucoup comme une espèce de musicien un petit peu, enfin, on dit souvent impressionniste, mais assez simple d'accès, assez lumineux, cristallin. Mais il n'est pas que ça. Il y a des moments de dissonance très étranges, très furieux, hein, chez Debussy, à redécouvrir complètement. Sans ironie aucune, tu démontres depuis un bon moment, ce soir, que tu peux être passionnant tout seul face à un chat pelocat. Bah écoute, c'est gentil. Merci. Je ne sais pas si je suis passionnant. J'essaye de ne pas être chiant, déjà, alors que bon, le texte n'est pas simple, on est d'accord. Il est un peu long. Alors, d'après Hegel, donc, si un élément contingent, le plus souvent la projection psychologique, s'associe à tout sentiment de l'objet esthétique, il exige de la part du contemplateur une connaissance et même une connaissance impartiale. Il exige qu'on perçoive sa vérité et sa fausseté. On pourrait objecter à l'hédonisme esthétique ce passage de la doctrine kantienne du sublime dont l'auteur, ici partial, exclut l'art. Le bonheur procuré par les œuvres d'art serait tout au plus le sentiment qu'elles nous donnent d'avoir tenu bon. Alors d'avoir tenu bon dans l'épreuve de leur... dans l'épreuve du jugement, c'est-à-dire d'avoir résisté finalement, selon Kant, à toutes les sirènes de la satisfaction. C'est quand même bien triste, sans déconner. La question de la vérité et de la fausseté est complètement conne, mais comment dire ? On est d'accord, hein, il s'agit bien de percevoir la vérité et de la fausseté de l'œuvre en elle-même, donc pas comme dans le procès platonicien, des rapports de l'art à la vérité et la fausseté qui seraient, dès le départ, fallacieux. Parce que, évidemment, pour Platon, tout l'exercice des œuvres d'art, notamment la peinture qu'il a en horreur, repose sur un mensonge. Mais tout simplement parce que, effectivement, son expertise fait reposer le jugement esthétique sur l'autel de la vérité. Mais ce n'est pas son domaine. Clairement pas. Donc là, pour le coup, le domaine de la jouissance esthétique ne peut pas être évalué à l'aune de ça. Connaître la vérité et la fausseté de l'œuvre, pour ne pas être tout entier plongé dans la simple contingence d'une projection psychologique, cette demande qui est faite par Hegel est assez dingue en vérité. Parce que ça laisse supposer, c'est faux, que les auteurs et les autrices d'œuvres d'art savent ce qu'ils font. Eh bien, scoop, non. Mais vraiment pas. Certes, les auteurs et les autrices d'œuvres d'art sont plus ou moins conscients du matériau. C'est-à-dire plus ou moins conscient du cadre dans lequel ils dialoguent avec leur environnement. Ils mettent en scène des objets,
des objets qui leur sont propres, qui leur appartiennent, dont ils sont voisins, qu'ils questionnent. Ça peut être des textes, ça peut être d'autres œuvres, ça peut être des paroles, ça peut être des personnes avec lesquelles ils vivent. Mais une fois que commence la mise en branle, le problème c'est qu'une œuvre d'art, ça a une durée. Cette durée, vous ne pouvez pas la connaître. Parce que tout ce que vous regardez, ce n'est pas sa durée. Vous regardez la cristallisation de cette durée sous une forme achevée. Mais cette durée, elle est expérimentée intégralement par celui ou celle qui l'a fait. Et cette durée, elle ne peut pas être soustraite de la vérité ou de la fausseté de cette œuvre d'art, et elle ne peut pas être rabattue sur l'opération de la raison. Ça, c'est complètement con. Il n'y a aucune œuvre d'art, même les plus savantes du monde, qui fonctionne de cette façon. Vous pouvez vous évertuer à lire les allégories peintes par Botticelli et vous dire « Oui, oui, là je reconnais bien dans cette parabole qu'il a empruntée à la calomnie d'Appel, le texte de Lucien de Samosate, l'endroit où se trouve le mensonge, la calomnie, tatata. » Et une fois que vous aurez fait votre inventaire, qu'est-ce que ça va vous dire de ce tour de cou, de cette ombre portée, de ces légers petits rempattements et ici de ce filet de cheveux? Rien en vérité, c'est de la durée pure. Alors, qu'est-ce que vous dites les gens? C'est passionnant. On fait moins de calembours parce qu'on essaie de suivre. C'est quand on en fait plus qu'on essaie de pas suivre. C'est soit qu'on abandonne l'idée de suivre, soit que suivre et faire des calembours, c'est pas possible en même temps. T'as lâché, toi tu vas te coucher, à plus tard chaud. Tu sais pas trop ce que t'en retiens, mais c'était cool. Bah écoute, bonne nuit, bisous à toi et à bientôt. Bienvenue quand tu veux. Si cette urée peut pas être soustraite, il y a un moment où la vessie va souffrir. Sus. Ah, il n'y a plus de... Hop, ça marche pas les calembours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû oublier les machins, dites donc. Oh, je suis vraiment désolé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah bah écoutez, je ne sais pas. Apparemment, il y a un problème avec les commandes, donc vous n'aurez même pas le petit bonhomme qui salue les calembours. C'est quelle honte cette chaîne. Alors, en même temps que les catégories, les matériaux ont également perdu leur évidence a priori. Les mots en littérature, par exemple, ont-ils déjà eu une évidence? Je ne suis pas sûr. La décomposition des matériaux signifie le triomphe de leur être pour autrui. C'est-à-dire donc la décomposition de l'immanence, en fait, de l'être pour soi. Qu'est-ce que ça veut dire? À cet égard, la lettre de Lord Chandos, premier et pénétrant témoignage de ce phénomène, est restée célèbre. On peut considérer la poésie néo-romantique dans son ensemble comme la tentative de résister à cette dissolution et de restituer au langage, ainsi qu'aux autres matériaux, un peu de leur substantialité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il faudrait que vous connaissiez ça. Est-ce que vous connaissez la lettre de Lord Chandos? Parce que si vous ne connaissez pas, comme je suis un gentil garçon, j'avais choisi un petit extrait pour vous le dire. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de découvrir un petit peu ça, c'est un chouette texte. Donc, la lettre de Lord Chandos, c'est une lettre supposée d'un mec supposé au philosophe Francis Bacon. Et Chandos est une espèce de... Enfin, pas de double d'Hoffmannsthal, parce que bon, l'écrivain, c'est von Hoffmannsthal, qui était un poète de la fin 19e, début 20e. Et von Hoffmannsthal résiste à la tentation de son héros. Son héros est pris dans un vertige assez semblable à celui que décrit Robert Benchley dans son incroyable texte « Comment devenir fou ». La technique pour devenir fou par Benchley, c'est répéter inlassablement un mot extrêmement familier, comme tabouret, jusqu'à ce qu'il se vide de toute substance et qu'il vous terrifie. Eh bien, en fait, cette proposition a déjà été faite par von Hoffmannsthal au début du XXe siècle. C'est un texte qui doit être de tout début XXe, 1902, 3, un truc comme ça, je crois. Et lui, il résiste à cette tentation. Donc, c'est quelqu'un qui écrit sur cette dissolution, cet éclatement frénétique qui est pratiquement une décompensation. En tout cas, moi, ça me fait penser à celle de feu mon ami Vachet quand il écrivait sur le langage à la fin de sa vie, au moment de perte complète de soi. Eh bien, il décrit ça, mais dans une langue extrêmement polissée, et c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'évidemment, il y a une contradiction presque, c'est une oxymore textuel, quoi. Je vous lis ça. C'est un tout petit extrait, mais je pense que ça va vous plaire.
D'abord, il me devint peu à peu impossible de disputer d'une manière élevée ou assez générale, de fournir alors à ma bouche ces mots dont pourtant d'habitude tous les hommes font un usage spontané sans hésiter. Et j'éprouvais un malaise inexplicable à seulement prononcer les mots « esprit »,« âme » ou « corps ». J'étais empêché au fond de moi de porter un jugement sur les affaires de la cour, les incidents au Parlement, sur tout ce que vous pourriez imaginer. Et cela non pas à égard d'aucune sorte, parce que vous connaissez ma franchise, allant jusqu'à l'étourderie. Mais les termes abstraits, dont la langue pourtant doit se servir de façon naturelle pour prononcer n'importe quel verdict, se décomposaient dans ma bouche comme des champignons moisis. Il m'arriva de vouloir réprimander ma fille, Katharina Pompilia, âgée de 4 ans, pour un mensonge d'enfant dont elle s'était rendue coupable, de vouloir lui montrer la nécessité de dire toujours la vérité. Et ce faisant, les notions qui me vinrent à la bouche prirent soudain une coloration si changeante, débordèrent à ce point les unes dans les autres que, dévidant tant bien que mal ma phrase jusqu'au bout, et comme pris de malaise, ayant effectivement le visage blême et ressentant une violente pression autour du front, je laissai l'enfant seul, claquer la porte derrière moi, et ne recouvrai tant soit peu mes esprits qu'une fois en selle, au bout d'un bon temps de galop, à travers la lande déserte. Or, ce doute s'amplifia peu à peu comme une rouille qui ronge autour d'elle. Même dans les conversations usuelles et terre à terre, tous les jugements qu'on émet d'ordinaire à la légère et avec la sûreté d'un somnambule me devinrent si scabreux que je dus cesser de prendre aucune part à de telles discussions. Une irritation inexplicable, que je dissimulais à grand-peine et de manière indigente, m'envahissait. Quand j'entendais des paroles du genre « Cette affaire, c'est bien ou mal terminée pour tel ou tel. Le shérif N est un méchant. Le prêtre T est un homme bon. Le fermier M est à plaindre. Ses fils sont des gaspilleurs. Un autre est enviable parce que ses filles sont économes. Une famille s'élève socialement, une autre tombe en déchéance. » Tout ça me semblait mais si indémontrable, si erroné, aussi véreux qu'il est possible. Mon esprit m'obligeait à regarder toutes les choses qui se présentaient au cours de tels entretiens à une distance inhabituellement proche. De même qu'une fois, j'avais vu dans un microscope un bout de la peau de mon petit doigt qui ressemblait à une rase campagne avec des sillons et des cavités. De même en allait-il à présent avec les êtres humains et avec leurs agissements. Je ne parvenais plus à les saisir avec le regard simplificateur de l'habitude. Tout se décomposait en fragments, et ces fragments à leur tour se refragmentaient. Rien ne se laissait plus enfermer dans un concept. Les mots flottaient, isolés, autour de moi. Ils se figeaient, ils devenaient des yeux qui me fixaient, et que je devais fixer en retour, des tourbillons, voilà ce qu'ils sont. Y plonger mes regards me donne le vertige, et ils tournoient sans fin, et à travers eux ils ont atteint le vide. Donc là, on a vraiment une crise. Il n'y a pas une crise de la langue. Hein. Ce n'est pas une insatisfaction cratilienne de donner un sens aux choses, le bon mot pour les bonnes choses. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas une crise de la langue, c'est une crise du langage, en fait, comme activité. Donc c'est un texte assez magistral. Bon, il est entièrement intéressant, hein, je vous invite à le lire. Il n'est pas très long, c'est un tout petit texte, mais c'est vraiment tout à fait fascinant. Donc, la question de cette dissolution atteint historiquement pour Adorno la substantialité d'un matériau, donc une cristallisation historico-sociale, le langage, la langue. Le langage est-il historicisé? Je ne sais pas. C'est-à-dire le langage comme activité l'est-il, autant que la langue l'est? Je ne sais pas, mais c'est une question qui mérite parfois d'être posée. Est-ce que c'est toujours la même activité? Je veux dire, au cours de l'histoire. Ça n'est pas toujours la même activité dans le quotidien, ça nous le savons très très bien. Le langage, c'est pas une affaire de communication, c'est tout à fait autre chose. Nous faisons autre chose quand nous parlons. Mais est-ce que dans l'histoire, il y a un déplacement du curseur qui lui fait être autre chose? Vous allez rêver de mots qui deviennent des yeux. Oui, c'est un texte un petit peu angoissant. Hein. Tu t'en vas là-dessus, Rafa? De toute façon, je ne vais pas tarder à finir. Hein. Je vais finir un tout petit bout de cette page et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur le mot Beckett à la page suivante. Donc ça va aller très vite. Mais l'idiosyncrasie, donc le caractère propre, personnel, spécifique, singulier, envers le Jugendstil, s'attache au fait que cette tentative échoua. Donc le Jugendstil, c'est l'art nouveau, mais l'art nouveau allemand. Donc c'est un peu plus vaste, un peu plus bordélique, parce que ça se construit autour d'une revue qui s'appelait Jugend, la jeunesse, je crois. Hein.
Et on y trouve plein de mouvements différents qui viennent s'y exprimer au-delà de la question simplement de l'art nouveau. Les théories d'Arts and Crafts, donc de Robert Morris et ses amis, ils sont souvent cités, elles sont des grandes références. Mais on y voit aussi des textes sur l'impressionnisme, le symbolisme, enfin beaucoup de choses viennent dans Jugendstil. Rétrospectivement et selon le mot de Kafka, elle apparaît comme une joyeuse aventure gratuite. Alors, ça peut sembler ça, mais c'est un peu injuste. Je pense que cette injustice repose sur pas mal de malentendus. C'est qu'un grand nombre des dialogues de Jugendstil, à cause, je suppose, du socle Arts and Crafts, repose sur la volonté d'ouvrir la porte grand aux formes populaires, aux motifs, à l'ornement, à la décoration, et qu'effectivement, le résultat est en deçà, je pense, très souvent des espérances théoriques qui ont bâti ce désir de venir changer quelque chose des relations aux matériaux, au monde des images, au monde, qu'on pourrait dire, des arguments iconographiques. Une bonne partie de Jugendstil accouche effectivement de tout un tortillon un peu élégant mais un peu vain. Et je pense que c'est parce que c'est un mouvement bourgeois. Enfin, ça mérite, si ça vous intéresse, il y a un très joli film qui a été réalisé par Raoul Ruiz sur Klimt, qui est un film très politique, qui repose la question de l'art viennois de cette période dans un cadre politique. Comme à peu près tout le cinéma de Raoul Ruiz, c'est passionnant, c'est très intelligent et très renversant. Donc faites, regardez ça, et pour replacer Jugendstil dans son cadre politique, et peut-être mieux en comprendre finalement l'écueil. Dans le poème qui sert d'introduction au cycle du 7e anneau, George, ah oui, il parle de Stephen George, ouais, Stephen George, peut se contenter pour évoquer une forêt, de juxtaposer les deux termes « or » et « cornaline », en espérant que, conformément à son principe stylistique, les mots aient une résonance poétique. Mais c'est souvent aussi, alors, comment dire, les branchements, ça marche pas toujours, mais ça vaut le coup de tenter de brancher. Artistiquement, on fait beaucoup ça. On prend des concepts qui sont pas faits pour aller ensemble. On branche, on observe, on voit ce que ça donne. Et des fois, ça marche pas. Des fois, c'est raté, alors on fait autre chose. On va brancher un peu plus loin. L'art du branchement exige une attitude profondément expérimentale. Et pas de retenue bourgeoise. Peut-être que tout simplement, le Jugendstil n'a pas poussé l'art du branchement dans les errances expérimentales qu'il aurait fallu conduire pour que ça donne quelque chose de bien. Et pas sur Klimt, sur Klimt. Oh, fais pas l'andouille. 60 ans plus tard, le choix des mots fut reconnaissable, arrangement décoratif, qui cessait d'être supérieur à l'accumulation brute de tous les matériaux nobles possibles, comme dans le portrait de Dorian Gray, qui ressemble aux intérieurs d'un esthétisme raffiné des boutiques d'antiquité, où on vend aux enchères et par là même au commerce exécré. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un repli historique de l'objet critique sur l'objet qu'il critique. Ça menace beaucoup la parodie. Le pastiche, la parodie, le renversement, qui ne joue que sur le renversement, a toutes les chances d'être rapidement aussi inutilisable que ce contre quoi il vient s'arrimer. Et très rapidement, la parodie est aussi emmerdante que sa référence. Et dans l'exercice de la contradiction artistique qui vise plutôt une forme de négativité, il y a un péril aussi qui peut menacer complètement les productions artistiques d'un seul coup d'être finalement assez indifférenciable de ce contre quoi elle se constitue. De la même façon, Schoenberg remarqua que Chopin avait eu bien de la chance, car il lui avait suffi d'utiliser le ton de fa dièse majeur, jusqu'alors délaissé, pour faire de la belle musique. Avec cette différence historico-philosophique, qu'au début de la musique romantique, certains matériaux, les modes exquis de Chopin par exemple, rayonnaient effectivement de la puissance de l'inexploré, mais furent réduits, dans la langue des années 20, au niveau du raffinement exagéré. Donc Adorno revient sur cette proposition en disant que même une proposition puissante, dans un cadre, où elle viendra rogner quelque chose, des usages, et notamment quelque chose de la satisfaction, peut facilement s'épuiser dans l'industrialisation fétichiste, donc le plagiat en fait, hein. Le plagiat est toujours amoindrissant.
Parce qu'il lui manque quelque chose de fondamental. Il lui manque la motivation à être. Une forme artistique, c'est pas juste un choix, vous vous rayez le matin, vous dites « Oh, moi j'ai bien envie de faire uniquement des bandes noires parce que personne ne l'a fait », c'est complètement con. Buren ne naît pas de la décision arbitraire un jour en se levant de chercher un petit truc pour fabriquer sa vie. C'est pas comme ça que ça marche, que vous aimiez ou pas Buren, on s'en bat les steaks, c'est pas le propos. Mais il y a une vie qui est prise dedans. Et c'est-à-dire que cette façon de faire, elle a, dans l'historicité du sujet, une série de conditions impérieuse pour s'affirmer de cette façon. Toute autre personne qui viendra à son tour ressasser des petites bandes ne possédera pas la puissance qui anime cette raison d'être. La raison d'être aura disparu et produira un sous-produit qui, vu de loin, aura vaguement l'air d'être ceci ou cela, mais qui sera inexpérimentable par telle ou telle profondeur qui aura su exister au moment de l'apparition d'une proposition. Voilà, le plagiat, c'est un truc de droite. Quiconque plagie quelqu'un est un opportuniste bourgeois, c'est tout. Voilà, qui profite, on pourrait dire, puisque c'est ce que font les œuvres d'art, elles déplacent la question de la valeur, elles déplacent en produisant des formes potentielles de la valeur. Et ben, machin a vu que là, il y avait un bout de valeur qui dépassait, il s'est dit, oh, ça a l'air de satisfaire, ça. Moi, je vais satisfaire aussi. Puis voilà, il se passe rien, en vérité. Dans le monde qui est le mien, celui des bandes dessinées, 80% de la production, c'est ça. Mais on s'en fout. Ben, ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Ça existe, il faut en être conscient. Quoi. Mais ce qui arriva à leur langage, à leur juxtaposition, à leur mode, porta infailliblement atteinte au concept traditionnel du poétique considéré fondamentalement comme supérieur et consacré. La création littéraire s'est retranchée dans l'abandon sans réserve au processus de désillusion qui détruit le concept du poétique. C'est ce qui rend irrésistible l'œuvre de Beckett. Bon ben voilà, l'œuvre de Beckett apparaît dans le champ de vision et de lecture d'Adorno quand il y a un peu vite des réponses. Parce que le chatoyant fréquente Beckett. Et il n'est pas moins moderne. Le chatoyant, par exemple, c'est Claude Simon. Et puis dans un autre genre, ça peut être Pinget. D'ailleurs, dans les contemporains et amis de Beckett, la désillusion que porte Beckett et que de façon plus anodine porte Duras, c'est pas la règle, quoi. Il y a mille façons de faire les choses à ce moment M, et c'est pas comme si il n'y avait qu'une seule opportunité pour apparaître du dérèglement et de la négativité à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire au moment où écrit Adorno. Voilà, voilà, voilà. Ça fait quoi? Eh bien, ça fait 3h10 qu'on est sur un texte un peu savant, un peu compliqué. Donc j'espère que ça vous va. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Je sais, je vous ai un peu assommé. Alors, regardez où il y a des trucs. Alors, vous êtes content. Ah, ça vous a plu, Von Hofmannsthal. J'arrive jamais à le dire, ce pauvre Von Hofmannsthal. Excusez-moi. Donc, ça vous a plu. J'en suis ravi. Alors, et donc l'IA actuelle est un truc de droite étonnant. Eh bien, en fait, alors, il faudra en causer des IA dans leur rapport à la production, mais c'est... son mode de fonctionnement n'est pas du tout celui d'un humain. Donc son mode d'association fonctionne plutôt par soustraction. C'est pas une accumulation, en fait. C'est un nuage duquel elle soustrait l'inadéquat. Et ça peut donner des choses absolument ahurissantes. C'est dans si je travaille beaucoup avec des IA, j'avoue qu'elles m'aident beaucoup. Déjà, elles me font énormément rire, hein, parce qu'elles produisent des trucs hallucinants et absurdes. Et je ne sais pas où je vais aller avec elles. Par contre, leur invention, évidemment, est un truc de droite, puisque c'est un rêve de communication parfaite et... parfaite et sans pareil, c'était ce rêve-là. Le rêve de communication est évidemment un rêve de droite. Que pourrait-il être d'autre? Alors, mes très chers tous et toutes, est-ce que il y a quelqu'un que vous aimeriez aller voir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir d'aller voir? Alors, qui est en live, là? Bon, j'ai eu Kaino, mais on m'a engueulé parce qu'on m'a dit qu'elle était... ça vous a pas plu la dernière fois, tatatitata. Bon. Elle est de qui à qui? Alors, c'est une lettre prétendue. Alors, c'est donc Von Hofmannsthal, il faut que je sois sûr de l'orthographe, je l'écris toujours mal. Donc, c'est un texte de Von
Hoffman. Digital, voilà. Et c'est la lettre de Chandos à son ami, c'est une lettre imaginaire évidemment, de Chandos à son ami Francis Bacon. Voilà. Donc, qui est là? Il y a Daimon, il y a des entre-deux, il y a Queenie TV, Valorant, je sais pas ce que c'est, c'est peut-être un jeu. Hein. Ouais, c'est ça, glitch, exactement ça. Donc, soit je vous envoie là, soit moi on me recommande des chaînes, mais je sais pas ce que c'est. J'ai Jamel le chômeur, oh, il a des beaucoup de gens, Jamel, il a 500 personnes, il n'a pas besoin de nous. Donc, je sais pas. Bon, moi, bah, je sais pas. C'est un jeu, bon, on va pas aller voir des joueurs et ou des joueuses parce que j'y connais rien. Là. Donc, bah, je vais vous envoyer chez Diamond. Allez-y. Et puis, si ça vous déplaît, engueulez-moi la prochaine fois. Je sais pas trop. Bon, les seules fois où j'y suis allé, c'était plutôt sympa. Franck m'a dit que c'était un gros confus, mais j'ai jamais constaté ça quand j'y étais. Et des entre-deux, j'ai déjà arrêté deux fois récemment Solarius. Donc, du coup, bon. Bah, de rien, Louisa, je suis content que ça vous ait plu. Du coup, je vous envoie là-bas. Et puis, si vous êtes fâché, bah, engueulez-moi. Le prochain, ça va être comment psychopathologie de l'expression. Voilà. C'est un gros confus d'Odysseus. Bon, bah, vous m'engueulerez dans ce cas-là. Excusez-moi. Je vous embrasse fort.